On va essayer de dive du coup. Parce qu'il met beaucoup de dégâts. Filon casse canard, gros casse-cœur. On va essayer de dive. Permettre lui ça, premier qui s'arrive. C'est bon, c'est très compliqué. Triple kill pour Azir. Carvaul qui sera présent pour pouvoir l'arrêter sur Ekater pour continuer peut-être le tir direct de la part de Ichi. Ikelka qui va faire tomber également Ichi. Il ne reste qu'un seul défenseur. Il a fait tomber justement le porteur de Spike malheureusement. Ah, ou le bibi, il le bibi, il va faire la première game sur son téléphone. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette demi-finale de la Student Cup. Je suis, comme hier, accompagné de Paf, bonsoir à toi. Hey, salut Spectre, comment tu vas depuis hier? Bah écoute, très bien, la soirée d'hier m'a permis de me remettre un petit peu en forme sur le jeu. J'ai fait quelques bonnes games aujourd'hui, donc très très chaud et hâte de voir ce que les joueurs vont nous proposer. Puisque déjà hier on a eu de belles games. Là, on a un top 16 ce soir qui va définir le top 8 de la finale. Donc ça va être très très fort, je pense. Ça va cliquer très très vite. Et il va pas falloir rater les plays de nos petits cracks, là. Parce qu'on a 16 joueurs contre F1. Clairement, ils sont tous très bons. Hein. Ils ont réussi à faire une très très bonne phase de qualification, comme tu le disais. Point rapide sur le format Spectre. On est sur 5 parties pour toute la soirée, les lobbies seront fixes, c'est-à-dire que les 8 mêmes joueurs se rencontreront tout au long de la soirée, il y a 2 lobbies, encore une fois 16 joueurs, et les 2 top 4 de chaque lobby passeront donc en grande finale. Ouais. Donc pour ce soir, 5 parties, lobby fixe, et il faut faire top 4 en moyenne, et on a des très très beaux lobbies quand même. Ça va être bien, ouais. On a 2 beaux lobbies, moi de toute façon on va faire une game dans un, une game dans l'autre, et puis on verra à la fin qui restera. Sur ce top 8, on aura la moitié des joueurs qui vont sortir après cette soirée. Exactement. Bon, les lobbies qui vont pas tarder à se lancer déjà. Les joueurs ont faim. Rapide point méta par rapport à ce qu'on a pu voir hier quand même depuis le nouveau patch. Beaucoup de reroll à P3 cost, des Leblanc, des Sona, des Zoé. Pas mal de Talia, quelques Soraka également. Donc vraiment très orienté AP. Les lobbies, en général, c'était très fréquent qu'il y ait 6 ou 7 joueurs d'AP dans des lobbies. Et si ça joue de l'AD, et bah, c'est de la Samira. Ouais, c'est ça. En général, c'est plutôt des surshots avec Samira, avec Aphelios. Sinon, énormément d'AP, comme tu dis. C'est vrai que la méta, du coup, il se rapproche beaucoup plus de ces compos-là qui sont beaucoup plus flex et potentiellement plus faciles à jouer puisqu'elles spike plus tôt. Donc en général, la D, tu vas jouer soit en full snowball, soit en underground, je pense, sur des gros comebacks. Donc ça va être intéressant de voir ce que vont nous proposer les joueurs là-dessus. Normalement, on devrait avoir des games qui ressembleront à ce qu'on a vu hier. Globalement, au niveau de la méta, des compos, des timings, etc. Donc encore une fois, une soirée très intéressante avec des pics forts de retour, comme bah, les Spellsingers sont vraiment méta. Ce qui n'était pas le cas avant le patch et de retour très fort. Talia est forte, Sona est un très bon perso actuellement. Donc ouais, ça... A voir aussi hein, selon les augments de héros qu'on pourrait avoir. On a vu que sur les... Notamment les augments de two cost, déjà qui étaient très très influentes sur les games. Je pense que ça va pas bouger. On est d'accord. Et sinon, bah, peut-être quelques lobbies Prisma pour nous régaler encore un peu plus. Ouais, ça c'est sûr, c'est toujours ce qu'on espère. Attention, petit point sur les Recon. Encore une fois, on les connaît plus que bien. Ils ont été forts depuis le début du set. Ils ne le sont plus. Kai'Sa. Merde. Ils
Sizen n'est plus un personnage si viable que ça par rapport à la méta. Attention à pas se faire bait en cas de gros open Kai'Sa, etc. C'est un champion sur lequel il faut éviter de cliquer désormais. Et on a les lobbies du coup qui sont lancés. Ça y est. On est directement parti, ouais, je suis parti sans toi, excuse-moi, même, t'as bien suivi. Ah, pas de soucis. Directement dans la game, cette première game du coup de cette demi-finale, Lobby B, et on va suivre Achilleus pour ce début de partie. Mm-hmm. Sachant qu'on a pas mal de POV dans le lobby, donc on va pouvoir bien tourner. Ça va être sympa. Clairement, alors que j'aille hop sur tous les streams, voilà, je suis avec toi chez Achilleus et il a déjà un gros open Star Guardian. On parlait de Talia déjà, on parlait des Spell Singer. Il y a une Lux 2, il y a une Yumi. Oh. Et c'est un augmente en 2-1 et c'est que des one cost. Alors, il va y avoir de la reroll dans le lobby. Déjà, on en a parlé un petit peu hier en off, je m'en souviens. Tu disais qu'effectivement, ce genre de choses, ça donne envie de faire des one cost. 3 stars. Ou alors, on va cliquer sur cette Lux qui est déjà 2. Il pourrait. Ouais, ok. Ce qui est pas mal avec cette Lux, c'est qu'elle peut te permettre d'avancer dans la partie sans forcément reroll. Et ça reste plutôt ok par la suite. Puisque elle va donner du shield à tout tes. Enfin, à 3 persos. Mm-hmm. Donc qu'elle soit 3 ou pas, ça reste un très bon support. Elle réduit l'AD, bon, même si globalement il y a très peu d'AD dans les lobbies. En début de partie, surtout, ça peut être sympa. Et le shield qui est vraiment pas négligeable. Ouais. Donc une bonne augmente pour avancer dans la game sans forcément prendre de risques sur un reroll. Et il push niveau 4, il hésite à slam un objet, il va le faire avec cette Shoujin, je pense que c'est un bon play. En Star Guardian, c'est un bon objet et il a l'air de se diriger vers cette synergie pour l'instant, en tout cas c'est sûr qu'elle sera active. Plus tard, bon, très bonne augmente de début de partie, hein, le Lux Singularity, un gros bouclier et de la paix pour les champions les plus importants. C'est vraiment ce qu'on recherche. Bah sur un spot de one cost comme ça, ouais, actuellement, c'est pas forcément évident de trouver quelque chose qui renforce vraiment la comp. Soit t'es obligé de reroll, soit t'as quelques augments potentiels qui peuvent aider à snowball, mais bon. C'est plus compliqué de les trouver, il y en a pas tant que ça. T'as le get paid de GP qui peut être bien, mais il faut avoir un gros board d'early game. T'as le solitaire de Nasus potentiellement qui te donne juste un Thrill of the Hunt légèrement meilleur que le Silver, mais c'est pas incroyable non plus. La grande force de Stockman de Nasus, c'est que ça proc sur toutes les unités qui participent à l'élimination. C'est-à-dire que c'est un Thrill of the Hunt qui marche aussi sur les assists. Ouais, ça c'est fort. Et sinon, bah oui, cette Augment Lux qui est une bonne Augment de enfin, plutôt support aussi. Autrement, les Augments Lulu aussi, ouais, comme on voit chez Diamond Skill ici, qui sont plutôt bonnes aussi. Bah c'est surtout qu'effectivement, comme on peut s'attendre à ce que certains joueurs décident de reroll leur one cost, s'ils ont pris un augment de carry par exemple, et ben aller chercher un augment pour essayer d'aller snowball l'early game, là où du coup bah, tout le monde va un petit peu open, va être relativement faible, vers cette fin de stage 2 par exemple, et ben lui il va pouvoir pousser les niveaux, avoir des unités de plus que ses adversaires, et la win streak n'en est que plus facile. Oui, puis aller jouer, c'est un bon choix. Aller jouer autre chose derrière, potentiellement des 4 costs, qui seront plus fortes une fois setup que certains setup reroll qui toucheraient pas forcément. Ouais, du coup, Paula qui joue Talon, mais c'est l'Augment support, donc il pourrait aussi décider d'avancer dans sa game, il est pas obligé de reroll. Truc Talon, ouais, c'est... il a slamé le Warmog. Ouais. Talon, c'est deux bonnes augments, puisque l'Augment carry est très bonne pour le reroll, et celle-ci peut être bien pour jouer aussi Viego ou... même juste pour avancer dans sa partie. Le shield de Galio... Non, il aura pas le temps de proc sur cette Lux. Ce Blitzcrank qui est beaucoup trop oppressant, donc il va concéder son rune à Achilleus là-dessus. C'est un petit peu le rune qu'on a pas envie fort, de... Ouais, c'est le rune qu'on a pas envie de concede en plus en général, parce que là, du coup, il aura pas de gros streak à moins de perdre tous ses rounds. Ça l'arrange pas du tout. Ouais. Clairement pas. De point de vue, on est déjà... Paula qui a son augment support talon qui est vraiment bien, qui est déjà niveau 4, 20 gold, qui a un très bon start aussi. Le pic est déjà à 80 points de vie, qui est... Alors, qu'est-ce qu'il a pour être aussi bas en points de vie? Il y a un underground aussi dans le lobby du côté de Master Elect, si je dis pas de bêtises.
Je vais aller regarder rapidement. Holopic est sur une augmente GP. Donc c'est GP support, donc c'est Get Paid. Ouais. Get Paid avec un début de compo AD, parce qu'il a une IE et un arc. Et qui a 80 points de vie avec ça, 2 upgrades et une Senna IE. Je suis étonné quand même qu'il ait perdu 3 rounds comme ça aussi fort. Après, c'est un peu le problème de Get Paid, je trouve, c'est que si t'as pas GP2, déjà, c'est vraiment pas fou. Mm-hmm. Et il faut le setup autour pour faire des kills, sinon l'augment sert vraiment pas à grand chose. Parce que c'est une augment économique qui en fait. Enfin, c'est une augment de champion qui en fait est uniquement économique et qui va rien te rapporter une fois que t'auras fini d'avancer dans ta partie. On va dire que tu seras niveau 7 ou 8 selon ce que tu joues. C'est une augment qui sert plus à rien derrière. Donc il faut être très 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 fort sur le timing early mid. Mais c'est pas le GP qui te renforce directement. Alors, c'est un peu technique à jouer comme augment. Ouais, Holopi qui dans la suite d'Aquilius va tag Paula également avec son augment de talon. Qui va faire quand même 2 kills, il va récupérer une pièce d'or grâce à ça, il fait le palier. Il a quand même une économie qui est pas trop mauvaise, même si elle est pas folle. Il y a une Vayne effectivement dans ce rôle qui est assez intéressante. Vayne qui porte extrêmement bien l'IE. Ouais, mais enfin, je pense qu'actuellement, le setup Laser Corp, c'est pas jouable avec un Z triple item offensif. Ouais. Donc sur son départ de partie là, je pense qu'il va plutôt se diriger vers des surshots. A mon avis, cette Vayne peut être un bait. Ouais, on va int le board du côté d'Holopi, on va s'assurer de perdre. Malheureusement, on va tag et ben la Belvette de Toulou. Toulou qui a touché Belvette au niveau 5. Mais Toulou qui a une Belvette avec un get paid aussi, hein, donc lui il peut vraiment se mettre extrêmement bien. On le voit, il est level 5, 20 gold. Malheureusement, ça proc pas beaucoup de gold. Il en a pas eu du tout. Il a rien proc. Je crois que c'est 50% hein, Get Paid, si j'ai pas de bêtises. Il me semble, oui. Ouais. Le rank c'est fake sur un jeu de chance comme ça. Ah, c'est Diamond Skill qui dit que c'est un peu l'intrus du lobby parce qu'il n'est que platine. Mais effectivement, Achilleus a raison, ça veut pas forcément tout dire. Tu peux être platine et être quand même assez bon. C'est aussi, ça dépend aussi du temps de jeu, de l'implication, etc. On n'arrive pas à platine 3 par hasard, Diamond effectivement. Skill, Diamond Skill qui est en demi-finale de ce tournoi, donc c'est qu'il clique quand même pas trop mal. Ouais, clairement, parce que c'était 6 parties en plus, hein, c'est pas un échantillon de game qui est faible, donc c'est quand même assez révélateur de son niveau, effectivement. Tandis qu'il y a une box Nila, ça commence à faire beaucoup de duelistes quand même pour Holopi, alors qu'il a trouvé une baguette, c'est pas forcément ce qu'il cherche. Mais en réalité, la transi 4 duelistes into Samira est pas forcément évidente, mais ça peut être ok si ça te permet de snowball. Après, on voit qu'ici, il a 67 HP, donc c'est pas le cas actuellement. Alors, est-ce qu'il va chercher un slam sur Runan, du coup, là, pour économiser des points de vie? Il pourrait, parce qu'il a toujours un arc derrière pour aller chercher le Last Whisper. Après, est-ce que Runan, c'est vraiment l'objet qui permet de faire énormément de dégâts sur un carry, sur ce patch? Je suis pas sûr non plus. Mais bon, rester avec ces trois composants-là, c'est en pas... En fait, si tu joues full AD, j'aime bien Ginzo, parce que ça te laisse un deuxième arc et ça mange la baguette. Mais c'est pas forcément un item incroyable non plus. Ouais, c'est ça, c'est des items AD qui sont ok, mais c'est vraiment pas ce qu'on aime particulièrement quoi pour le pi là-dessus. Ah, ça, je suis pas fan du tout. Ouais, moi non plus. Que je pense que si tu veux jouer sur shot, tu vas faire Last Whisper. Donc tu peux faire un premier item avec un arc, mais tu dois garder l'autre. Donc là, le RFC, parce le RFC du coup veut dire qu'il veut jouer Z, parce que tu vas pas faire RFC Samira. Mais ouais. Z avec ce gear, c'est pas fou non plus. Ouais, c'est assez particulier, effectivement. Alors, s'il veut jouer des Laser Corps, ce qui a l'air d'être le cas, du coup, il a un Zap, quand même, qui est un très bon objet pour la comp. Ouais. Mais j'ai l'impression que ce RFC lui bloque quand même beaucoup de possibilités de jouer Flex pour la suite. Je pense aussi. Ça clique Trade Sector, ok. Trade Sector, ouais, je pense que c'était son meilleur augmente. Il va pouvoir essayer de jouer avec pas mal de paires. Et on va rentrer des duellistes. 4 duellistes, ouais. Pourquoi pas. Mais du coup, tu. Enfin, ouais.
De toute façon, Senna, il l'aurait forcément rebuild, peu importe ce qu'il veut jouer. J'ai l'impression qu'il l'aime aussi peu que nous, ce RFC. Je me demande s'il a pas misclick, en fait. Peut-être, mais ça serait assez étonnant, mais c'est pas impossible non plus. Avec le zoom qu'il a fait au moment où il la slam et... Et là, je me demande s'il a pas, tout simplement pas fait exprès. Ça serait vraiment triste si c'est le cas, parce que ça ouais, lui casse un peu sa game. Master Alec, pendant ce temps-là, il est en 4 underground, avec un hurt, il est en 5 underground d'ailleurs, en fait. Avec le hurt en plus, il y avait une vaille en front. Ok. Il est en 5, peut-être, ouais, on la double CMA. POV, on l'a pas, je crois, sa POV, malheureusement, à Master Alec. Ah, dommage. Oh, la paire de Senna dans le rôle qui le troll tellement fort. Mmh. Il aurait eu Senna. S'il slam pas le RFC et qu'il garde sa Senna, là, sa game, c'est vraiment pas la même. Ah ouais, vraiment. On est d'accord. Assez compliqué. Alors, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a eu comme augmente du côté des autres. Alors, oh là, Achilleus qui est parti en double trouble. Avec sa Lux, il a deux Lux 2 sur son board actuellement. Il va jouer double Talia, je pense. Ouais, sûrement. Voilà, Brock qui est toujours avec son talon. Un petit uplink. Ouais, du coup, effectivement, au final, il n'y a pas tant de reroll que ça. Je regarde ça, Diamond Skill, lui, qui est en train de reroll les gadgetines, du coup. Mais je crois qu'il avec est tout seul. Il est tout seul en reroll, ouais. On pourrait le voir Toulouse aussi. Ouais, Toulouse, c'est ce que. J'étais sur lui, il est en Scoped Weapons avec son Get Paid. Il vient de commencer une win streak. Oui, c'est vrai que c'est le Get Paid Belvet. Qui est vraiment exactement cool pour Snowball, parce que Belvet va prendre énormément de kills, donc elle peut potentiellement te faire beaucoup de gold. Et Scoped Weapons qu'on voit vraiment très peu sur ce set, mais c'est vrai qu'avec Belvet, ça a l'air d'être vraiment très fort. Il va trouver une BT pour avoir un peu de sustain sur son carry. Ouais. Scope, ce qui est bien avec Jax et avec Belvet, le truc c'est que Jax actuellement c'est vraiment dur. Mm-hmm. Donc forcément c'est une augmente qui est pas beaucoup cliquée. Mais ça peut rester bien dans certains setups. Il y a des beaux objets. Il va vouloir garder sa Belvet. Donc, en plus de ça, ce qui est bien pour lui c'est que Belvet est un perso qui a pas besoin de synergie. Donc tu peux garder le GP dans un coin et espérer qu'elle te fasse pas mal d'écho. Il est déjà 7-30 gold avec un board correct, donc c'est pas mal du tout. Puis ce qui est intéressant pour lui, c'est qu'il a déjà 3 très très bons items sur son carry. Donc il a le choix ensuite pour aller chercher des objets sur peut-être sa front lane ou pour un side carry. Il est libre, il n'a pas besoin d'aller chercher à tout prix la Swisper ou quoi que ce soit. Donc il est vraiment dans un très très bon spot là-dessus, Toulou, il est assez libre de ses choix par rapport aux prochains objets, dépendamment de ce qu'il va toucher évidemment au loup. Mais il peut se permettre par exemple d'aller chercher des objets pour cet MF qu'il a trouvé très tôt. Il prend 5 gold sur ce round du coup, 4 plus la win. Ouais, il va sûrement aller au 9 hein, avec son get paid. En fait c'est ça, c'est le gros risque de Stockman, c'est que t'es jamais sûr de pouvoir rentabiliser. Mais si ça marche, ça peut te donner des top 1 assez gratuits. En plus, il touche pas trop mal. Hein. On voit déjà une paire de MF. Bah, il a pas d'item encore pour cet MF, mais ouais, s'il trouve un ou deux compos sympas pour en faire des trucs dessus, ça peut être bien. Master Elect avec son Underground qui a touché un Fiddle au niveau 7. Alors j'ai l'impression qu'il a pas encore cash. Mais non. Tous les joueurs qui vont le voir. Alors s'il perd ce rôle, je crois qu'il va cacher un Master Elect. S'il est en 4, oui. Ça m'étonnerait pas. On va attaquer Golo avec cette Vayne RFC. Ouais, qui est parti en Recon du coup, qui a mis un spec crit sur cette Kai'Sa également. Un Recon plus IE, c'est pas fou, mais bon, tu joues ce que t'as. Hein. Ouais, je pense qu'il a pas le choix. Il en play top 4 actuellement. Mais la Belvet 1 qui va suffire. Et il peut déjà faire les 50 gold alors qu'il était il était à 27 gold il y a deux rounds. Hein. Sa game elle est magnifique. Hein. Ouais, vraiment. T'es très 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 content quand ça se passe comme ça, quand tu cliques get paid. Parce que du coup tu snowball encore plus fort. Ouais, ça met vraiment très bien.
Là, t'as des streaks dans ta streak avec les golds que tu génères pendant les rounds et tout. Enfin, c'est incroyable. Et Master Relic, du coup, qui va pas cash, il vient de tag Aquileus et il est à 9 sur 10. Et Aquileus, il est en train de reroll Lux, du coup. Je crois. Avec Lucent. Alors, il a Lucent Double Trouble et il est en train de roll à 50 au niveau 5. Donc, il a 6 Galio, 6 Lux. Il y a des Annie qui arrivent aussi. Il faut tout revendre avant de récupérer ses box. Ouais, il va cliquer sur ce Alistar 2. Alors. Ouais, ouais, donc il est bien en train de la chercher. Ouais, ouais, ouais. Il y va, on va cliquer sur Galio. Il va jouer 3 persos en fait. Il va jouer double Galio, double Lux, double Talia. Ça a l'air d'être le cas. Il va roll-down ici, puisque bien sûr il cherche un one cost, donc il doit garder ses odds. Il est one off. Ni la 2 également. Bah, le souci qu'il a, c'est qu'il a pas mal d'upgrades sur son bench, mais il pourra pas tout poser, parce qu'il va devoir profiter du double trouble. Ouais, ce Galio 3 qui en profite pas non plus. Là, actuellement. Je suis pas super fan de ce qu'il fait, mais en même temps, je pense qu'il est meilleur que moi sur les compos AP, donc je vais le laisser faire, puis on verra après. Lightning Cook, mais c'est super intéressant en tout cas de regarder sa POV là, du coup, parce qu'il nous joue quelque chose qu'on a vraiment pas l'habitude de voir. Lux Cari sans l'augmente, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. C'est pas mal. Singularity. Alors, Folie, ça paraît bien. Il y a un écho. Okay, le écho est vraiment très très cool. Annie 2. L'écho rentrera parfaitement avec ce Alistar. Ok. Très bien. Ça, effectivement, ça le rend très heureux. Faut rentrer le Galio 2 là. Il va être beaucoup plus fort. Voilà, il faut rentrer le Galio. Pour le double trouble. Là, du coup, son niveau 7, ce sera un Alistar. Sauf s'il continue de roll, auquel cas. Enfin, oui, si, logiquement, ce sera quand même Alistar, mais il rentrera beaucoup plus tard. Mais du coup, il jouera pas Mila. Et peut-être pas Talia non plus. Ouais, c'est assez bizarre d'avoir ce Alistar 2, cette Annie 2 sur le bench quand même. Il aurait peut-être pas dû cliquer dessus, ça coûte de l'écho. Je pense que Yumi et Annie les a pris en se disant c'est des two cost, ils peuvent potentiellement passer 3 aussi. Maintenant qu'il a fini ses rôles et que c'est pas passé, je pense que tu t'en débarrasses. Clairement. Et c'est Lux qui fait quand même des vilains dégâts. Hein. Elle fait très mal. On le voit, le Galio également qui est beaucoup plus tanky maintenant qu'il a activé le Double Trouble. Oh, il va gagner son round. Hein. Le Talon qui est stuck sur le demi. Mm-hmm. 9000. Et la Lux 2 en Double Trouble à côté qui fait 2005. C'est pas mal. Ouais, après pour la Bourg qui était assez paquet. Mais je pense oui là tu vends les Yumi, tu enfin voilà. Si il faut faire le palier, donc je pense que Yumi elle passera pas 3 et puis tant pis. Hein. Ou alors tu joues Echo over Nila. Mais... Nila est 2, elle joue bien avec les Galio. Ouais, Yumi c'est un personnage qui apporte des très très bonnes synergies, mais en lui-même lui activer le Double Trouble ça fait pas tant de choses que ça, je suis d'accord avec toi. Il a vendu Alistar, d'accord. Ouais, Dark Book, du coup, qui avait pris un augmente Poppy, lui. De son côté, qui a déjà une Talia. Déjà, remarque qu'on est en 4-3, ça paraît normal d'avoir son carry déjà. Et il gagne, hein. Il gagne ses rounds, Aquileus, ouais. Avec ça. Probablement qu'il connaît cette tech s'il la sort en tournoi. C'est imperfect, hein, d'ailleurs. Ah non, le deuxième Galio est mort, mais c'était presque imperfect sur Dark Book. Le livre noir qui a pris une petite claque ici. Bon, après, il reste bien dans sa game, mais quand même. Et Holo avec sa Vayne RFC qui est en train de tomber. 15 ouais. HP. Bah, malheureusement, ça, il a des items pas fous sur un spot pas fou d'une compo qui est vraiment bof. Donc, c'est dur. Effectivement, il va sûrement aller prendre une Sunfire pour son Galio. Il manquait d'Anti-Heal et.
le Galio en soi qui a pas spécialement besoin de plus de statistiques que ça grâce au double travel. Alors je garde un œil quand même sur Toulouse, hein. Toulouse qui est toujours en feu, qui continue son ascension. Ils vont la Annie maintenant, du coup la Annie qui l'a gardée pendant tout le début de stage 5 alors qu'elle coûtait de l'écho, bah cette fois-ci il décide de la vendre. C'est assez surprenant. Est-ce qu'il va vouloir jouer en 5 Star Guardian avec Talia et Echo? Et du coup, quoique, en vrai, ça serait niveau 8 peut-être, mais je pense que tu veux garder le Double Trouble sur le Galio. Ouais, clairement. Mais c'est vrai qu'au final, il n'y a même pas Spellslinger d'activé, on n'a pas noté ça. Bah, il joue Lux 3 sans Spellslinger actuellement. Ouais. Donc il a de la paix grâce à l'augmente, évidemment, mais... Ça n'a pas l'air de suffire okay, Holo, pour le late game. Un très beau gear Kai'Sa. Ouais, l'aspect duelliste qui le met bien, ça c'est sûr. Oh, la Lux qui a troll son cast. Voilà le problème du champion. C'est que des fois... Bon, elle a troll deux castes même. Ouais, ça arrive souvent malheureusement. Lux a tendance à être un peu bourré. Bon, elle aime bien son petit verre quoi, de temps en temps, mais avant les games, c'est pas forcément le meilleur moment. Quoi. C'est ça. Oui, d'accord. Voyez pas très bien le soleil, ça là. Raté. Raté. La raté. Qu'est-ce que se fait la veine. Et là-bas. Oh merde, putain, il était pas là. c'est pas incroyable. Quoi. C'est pour ça que d'ailleurs, moi, j'ai vraiment, pour moi, c'est un perso que j'ai tendance à acheter, revendre quand je suis en game moi-même, parce que ça me pollue l'esprit de jouer avec des unités un peu mortes comme ça. C'est des unités dans les, t'as ouais. Des unités dans tes shops, mais les trucs sont pas jouables. En général, quand il y en a comme ça dans un set ou sur un patch ou quoi, souvent je les achète et je les revends pour un peu éclaircir toutes mes possibilités. Le Lux a rejoint ce rang il y a très peu de temps, mais actuellement elle est en plein dedans. Je la joue que quand j'ai l'Augment Carry, quoi. Les technologies du Spectre, mesdames et messieurs, pour gagner des LP. Et Diamond Skill, du coup, lui, qui est dans un très bon spot aussi, qui a touché sa Lulu 3, même s'il manque d'objets. Sa Annie 3 également, il a 7 Poppy. Poppy qui a une Grumble, hein, donc une fois qu'elle passera 3, elle pourra commencer à mettre des assez grosses tartines. Et Toulouse qui a perdu sa win streak, lui, pendant ce temps-là. Il a perdu sa win streak, il en est où en termes d'écho? Je vais aller mettre un petit coup d'œil. Les level 8, 56 gold, et il est à 20 points d'XP du niveau 9. Hein. On est en 4-7. Pas mal. Il est arrivé 9 en 5-1, grâce à son get paid plus Belvette. Belvette, stage 2, ouais, vraiment ça l'a mis trop bien. En plus, ouais, il a eu des bons items. Il est en course pour avoir une Lèche 3, hein, là. Ah, il y a moyen, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une tire. Ça peut faire une Shojin pour Talia. Et s'il y a une baguette là, le spell crit est vraiment big pour la Lux. Je lui souhaite de trouver une baguette. Ah, il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? BF, ça peut faire GS et faire toujours la Shojin de Talia plus tard. Il peut y avoir une Titan sur ce Galio 3 qui part également. Ça peut être pas dégueu. Non, ça va être... J'avais pas vu ça, effectivement, et ce sera une IE. Il a vraiment envie de favoriser le fait qu'il a ce Guardbreaker sur sa Lux. Avec des crits. Donc il a fait cette IE, pourquoi pas. C'est aussi un bon choix. On attaque Toulouse. Toulouse qui est niveau 9. MF niveau 2. Et cette Belvette, toujours en Scout Weapons. Fait très très mal, et il a eu... Une armure improvisée en troisième augmente. Ouais, pourquoi pas, il a pas beaucoup d'items front, donc c'est pas trop mal. Ça marche vraiment bien, il a l'air d'avoir des threats en plus en front. C'est, sur Shogat et Ramus, c'est vraiment une bonne augmente. Ouais. Ouais, puisque ça leur donne plus que des résistances, hein, du coup. Ils scale aussi sur leur armure et leur résistance magique Shogat et Ramus, donc c'est intéressant avec cet augment. Bon, Aquilius, l'enjeu de sa partie, c'est clairement d'arriver niveau 8. Oui, là, maintenant, oui. Trouver Echo 2, Talia 2 et les rentrer. Et c'est pour ça, du coup, tu vois, il avait commencé aussi à cliquer sur des unités de cost, voire 3 cost, qui pouvaient potentiellement faire quelque chose.
Il les a pas revendus direct, mais il les a revendus quand même assez vite. Et a raison, parce qu'il avait besoin de cette économie pour avancer. Aller chercher un peu autre chose, sachant qu'il est plutôt bien stable avec ce double double trouble. En attaque, Polabro, du coup, t'as Hoge et Gunbait sur Talon 2 et sur Viego 2. Il a les mêmes objets sur les deux champions. Mais du coup, je pense que ça suffit pas, hein, parce que Talon 2 à ce stade de la partie, ça m'a pas l'air suffisant. Ouais, le Talon qui, encore une fois, stack sur le demi, ce demi qui est très gênant pour Talon. Parce que sur un spot comme cette fin de fight là, le demi est l'unité qui est la plus éloignée du centre du board, donc Talon va toujours aller dessus. Darkbook, on a vu du coup qui est premier du lobby actuellement, qui a déjà Talia 2. Tandis que Olopi, lui, il a bien touché, hein. Mine de rien, il a 23 Kaïsa 3, Nila 3. Ouais. Alors, c'est peut-être plus aussi fort qu'avant, mais c'est vrai que s'il touche autant de champions comme ça. Elect et Xonitron qui ont fait 8 et 7, et Olopi qui, du coup, remonte un petit peu dans ce lobby, même s'il a fait quelques erreurs dans sa partie. Il s'en sort correctement pour l'instant, il est en streak, il pourrait aller chercher un top 4. Oh là, lui, je tiens un vilain crit à 1400 dans la backline. Ouais, mais cette Talia. Ça met vraiment très bien. Et le. Le casque qui est parti sur la Talia, ça suffit pas. Le Galio qui va finir le travail, c'est fait avec le zap. Galio va clutch. Cette Yonic, vraiment, vraiment banger. Il a fait 3 ou 4 kills à la Yonic, là. Ouais, ça aide beaucoup. Et notamment pour cette Diclo aussi. Hein. Shred un petit peu ça, ça met bien. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau comme objet? Je crois qu'il n'y a pas grand chose. La starting mana avec encore un FH, pardon, je dis toujours FH, mais j'oublie tout le temps le nom du nouvel objet. Protector's Vow. Protector's Vow, exactement. Qui a été buff, hein, donc qui était déjà correct avant, qui est vraiment fort maintenant. Il n'y a pas vraiment de bon choix là dans sa shop. Pourquoi pas. Encore plus de shield au début du fight. Du coup, ouais, il va rapprocher ses demi's pour mettre le shield dessus aussi. Mais celui de gauche, je pense qu'il a intérêt à le laisser éloigner. Ce qu'il va faire. Ouais, et on passe niveau 8 avec assez peu de gold. Ça fait plaisir. Alors, est-ce qu'il va réussir à trouver une Talia? Il y a déjà une Talia 2 tombée. L'enjeu, c'est vraiment de la trouver. Hein. Il faut toucher Talia. Il va pas revendre quoi que ce soit. Ah ouais, maintenant il veut juste une Talia à la place de cette Sona. Et il aura un setup. Parce qu'en plus de ça, Sylveon a été fixe. Donc Sylveon maintenant fonctionne tout le temps, ce qui n'était pas le cas avant. Mm-hmm. Donc ce Galio qui a beaucoup plus de value que sur les patchs précédents. Ouais, Olofis du coup qui est encore une fois très très fort actuellement. La veine qui tombe, mais il reste tête Kaïsa. Ouais, ça suffira pas. Il n'est pas encore en 5 Star Guardian, il a le Spell Slinger, mais ça suffit pas encore. Le 5 Star Guardian va vraiment le rendre beaucoup plus fort, je pense. Oui. La question contre, que Diamond je me pose, Skill c'est... tombe là-dessus, malheureusement. Ah, effectivement. Top 6. Et Olofist, qui est, du coup, toujours en streak. Ouais, qui a dans un bon spot. La question que je me pose, c'est s'il trouve une Syndra, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il enlève le mascotte Asgalio 3 en Double Trouble? Ou est-ce qu'il la pose quand même? Est-ce qu'il abandonne cette Yumi? S'il y a une Syndra, vu que t'es en 5 Star Guardian, je pense qu'elle joue over Yumi, oui. Ouais, quand même. Je me dis que ce mascotte peut être intéressant par moment, mais... Mais non, et on va taper du coup le fantôme de Léona 2, avec un stuff incroyable. Il a un Boa Felios aussi. Ah, Toulou pas mal. Hein. Franchement, belle game aussi. Ouais, Toulou qui est en train de snowball complètement avec son game Get Paid depuis le 2-1. Il l'a toujours, hein. Ce GP est toujours là. Ouais. C'est ça que je crois qu'il a roll assez deep pour trouver ses upgrades. Oui, bah de toute façon, oui, il peut, puisque avec son board, il va gagner beaucoup de rounds et il va pouvoir faire pas mal d'argent avec le GP qui reste là. Il a 10 ou 20 gold actuellement. Par contre, attention, parce que pour Aki, ça peut être plus compliqué d'aller chercher mieux qu'un top 4. Ouais.
Parce que là, du coup, ils sont plus que 4 dans le lobby, puisque Paula vient de mourir en 5. Je sais pas si Toulou et Olopi se sont tag récemment. Je suis assez curieux de savoir qui gagne entre les deux. Mais du coup, ouais, ben, les 4 joueurs restants qui vont se hisser en haut du classement provisoire, ce sera Toulou, Darkbook, Achilleus et Holofist. Qui, si on s'arrête là, sont qualifiés en finale pour l'instant. Pour l'instant. Il restera bien sûr 4 games après celle-ci. Un plaisir d'être dans ce lobby de crack avec mon niveau platine, nous dit Diamond Skill. Bon, en réalité, top 6, bon, ça va. C'est, pour un début, c'est correct, tu peux encore t'en sortir. Alors, il y a la Syndra. Il y a la Syndra qui est peut-être déjà meilleure que Sona, en réalité. Il hésitait à abandonner le 5 Star Guardian et mettre le Echo over l'Anila, je pense. Oui, il a enlevé le Double Trouble à Galio. Oui. Pour un Fiddle. Ben, je pense que là, il y a tellement d'unités sur les boards adverses maintenant que ce Double Trouble Galio a plus vraiment d'impact. Intéressant. Ouais, la Talia 2, la 2. Ah, Talia 2 qui tombe pas. Qui est vraiment forte. C'est dur. Hein. Et Holofist a gagné contre Toulou. Effectivement, Toulou qui est tombé. Alors, je sais pas trop où il en est. Et il trouve vraiment pas de Talia. Ça le rendrait tellement plus fort. Je pense que tu dois vendre la Sona ici et que le 5 Star Guardian est meilleur, même si ça t'enlève le Spellslinger. C'est ça, dans tous les cas, avec cette Sona 2, il perdra contre Toulou. Ah non, ça change pas ton problème pour le coup. Ouais, il faut roll du coup. Il va Talia, et il l'a trouvé. Ok, pourquoi pas. Il y a des unités ok tiers à rentrer avec cette Syndra. Alors, est-ce que ça suffit contre la Leona 2? Il a trouvé Aphelios 2 pendant ce temps-là, Toulou. Fiddle 2 également. Ouais, non, je crois qu'il y a trop. Je crois qu'il y a beaucoup trop. Pour le joueur MRN. Franchement, vu son spot de base, je trouve qu'il s'en sort déjà plutôt bien acquis. Ouais, clairement. Top 4, on prend. Oh, et Holofist est tombé contre Darkbook. Ah, c'est dommage. Holofist qui tombe. Effectivement, on a donc une finale Toulou contre Darkbook. Dommage parce que récupérer le premier top 1. Il y avait un top 3 du coup à gratter potentiellement. Ouais. Mais bon. Holofist du coup avec cette Vein RFC qui réussit à faire top 3, tout à fait respectable. Toulou pendant ce temps-là, lui qui continue de roll tranquillement, il chill au niveau 9. Et il a toujours son GP pour faire des golds qui va revendre pour un Mordekaiser 2. C'est bon, il a un board full upgrade. Ah, il est. Ouais, non, là il est giga stack, il a trouvé toutes ses légendaires 2. Il a sorti le GP du coup, hein, il n'y a plus besoin maintenant. Il va pas flex, il veut juste prendre son top 1, il tentera pas la légendaire 3 maintenant. Ouais, c'est la première partie, il veut rester tranquille. Alors qu'est-ce qui se passe si cette Talia touche le Aphelios derrière? Est-ce qu'il peut essayer d'arnaquer un truc d'un move correctement, mais il n'y a plus rien. Ouais, non, ça suffira pas là-dessus, effectivement, il est trop bien. Il est trop bien, Toulou. Que permet de faire Belvette au 5 avec Get Paid, Achilleus. La Belvette au 5 toute seule n'aurait pas suffi pour avoir un aussi gros spot. J'en parlerai dans mon livre hein, d'ailleurs qui sera co-écrit avec ma participation. On a une QSS là-dessus, probablement pour Surgot. Bien sûr, j'ai signé toutes les préfaces de tous les livres que les joueurs TFT ont pu écrire depuis la sortie du jeu. Ok, on va vendre le Zac pour un troisième Aegis avec ce Echo. Ça me paraît être un bon play. Même si, honnêtement, Zac ou Echo, c'est pas ça qui fait la différence à ce stade de la partie. Puis là, c'est trop de dégâts. Trop de dégâts, trop de régène, trop de tankiness, trop de tout pour Toulou qui va venir remporter
cette première partie de demi-finale de la Student Cup. GG à lui. Gros snowball et ce setup niveau 9 qui est pas battable. Alors que dans le lobby A, peut-être qu'on a une fin de partie. Ah, allons-y. Ouais, on a une finale. Entre Metabelette et Tsemaitle. Je sais pas comment on dit, je sais pas comment il se prononce ce pseudo. De se mettre les deux. Voilà. Alors, on a quoi? MF contre une Talia. Alors, deux compos AP encore une fois. Les deux joueurs sont niveau 9 et ont vraiment bien snowball. Ils ont un peu fait de reroll. Talia qui va aller directement sur la MF, ça suffira pas pour la one shot malgré tout, mais elle s'est bien régénérée grâce à la Gunblade. Les deux carry qui survivent vraiment bien dans ce fight, mais j'ai l'impression que c'est la front de Tremel qui tient le mieux pour l'instant, quoique, il y a quand même une Syndra 2 qui ramène des unités depuis tout à l'heure. C'est difficile de dire qui va l'emporter, la Talia qui a focus la MF, du coup, c'est Metabelette. Toujours le même finalement. Qui va gagner pour l'instant. Alors. ...42 HP contre 9, Metabelette, il est vraiment bien, qui confirme encore une fois sa grande forme des phases de qualification. On le rappelle, 4 top 5, top 1 en 6 games pendant les qualifications, Metabelette. Vraiment au-dessus, pour l'instant, qui confirme encore une fois que c'est l'un des favoris de ce tournoi, si ce n'est le grand favori pour l'instant. En tout cas, il est impressionnant hein, dans sa régularité. Ils ont un bon spot les deux joueurs. Ils ont un très très bon spot. Un TCML qui a rentré un 3 Aegis, si je dis pas de bêtises. Natalia qui a un peu troll le premier cast pour Metabelette. On en est où? Le cast de la MF qui est pas mal du tout, mais qui va pas encore lancer ce Fiddlestick. Si ça y est, c'est chose faite. Je crois qu'il y a trop pour Metabelette. Ah, le setup Talia est vraiment trop fort sur ce timing. La MF ouais. Qui stuck sur le Alistar avec Oxforce. Il y a beaucoup trop. C'est Metabelette qui va aller rejoindre Toulouse. Avec son Yasuo qui va venir exécuter TCMTLE qui fait top 2. Dans le gang des top 1, dans le gang des 8 points. Et du coup, c'est possible qu'on ait même pas de pause, puisqu'il me semble que ça va relancer instantanément. C'est déjà parti en poule B. Ouais, mais je pense qu'on va rester ici, puis on va les laisser relancer tranquillement. Exact. Ils vont relancer, je pense, assez vite, le temps de prendre peut-être 30 secondes pour souffler un petit peu. Comme les lobbies sont fixes, ça va s'enchaîner assez rapidement, donc restez parmi nous, mesdames et messieurs. Sur le Game Center Online pour cette demi-finale. La Game 2 qui va arriver très très vite. Puisque les lobbies ne changent pas, donc on va pouvoir enchaîner rapidement. Il suffit d'attendre que les joueurs qui sont morts plus tôt reviennent de leur pause pipi et ça va partir. Exactement. Il me semble que... Ah non. J'allais dire, il me semble que tout le monde est là, mais je n'avais pas regardé la droite du lobby. Il manque encore un joueur. Alors en poule A, du coup, messieurs dames, vous le voyez sur votre écran, il y a des bons joueurs. Hein. Il y a Feeder, Krixteraz, Metabelette, Halala, Lipop, Rafale Temor, Passione Lucci, le joueur italien. Est-ce que Metabelette a gagné la première? Et si oui, ne va-t-il faire que des top 1? Suspense. Ah, écoute, et effectivement, oui, Meta a gagné la première. Maintenant, est-ce qu'il va faire que des top 1? On va voir. Hein. Il y a 5 games, ouais. Donc là, il en reste 4. Donc ça peut être compliqué, mais pourquoi pas. Ça, pendant les phases de qualif, il a fait 4 sur 6. Peut-être qu'il vise le 5 sur 5 pour les demi-finales. En tout cas, les premiers 20% du contrat sont remplis. Alors... Alors, a priori, on a 2 POV, du coup, pour ce lobby A pour l'instant. Ce lobby, ouais. On aura Rafale Temor et Krixteraz. Ah, Rafale Temor qui a fait des bonnes games hier également. Ouais, c'est vrai, Rafale qui était pas forcément très bien classé en début de journée hier, et comme Aquileus au final, ils ont fait de très belles remontadas.
sur un patch qui a changé, hein, donc peut-être aussi que ça leur fait du bien à ces joueurs. Alors que l'outil nous dit qu'il a pas screen, mais t'inquiète pas, mon ref, t'as pas fait top 1, donc Meta va s'en occuper. C'est vrai, je crois que Meta a pas screen non plus, du coup, si il s'inquiète pour ça. Est-ce que sur Tournament... Ouais, sur Tournament, les résultats du lobby A, ils sont pas encore à jour. Actuellement... Il y a des bugs aussi de clients qui font que parfois tes résultats en fin de partie ne s'affichent pas. Que par conséquent, pour screen, c'est plus compliqué. Mais bien sûr, on a toujours la solution de LoL Chess. Excusez-moi. Alors, si jamais, messieurs, dames, dans le chat, vous avez besoin de voir un petit peu où en est le tournoi, je vous mets le lien du tournament dans le chat. Le chat qui prend le lien. Hop. Non, le lien n'est pas passé puisque tu n'as pas la permission, mais je vais le faire. Ah, ça m'a rien dit. Moi, il est passé. Ah, oh, c'est bizarre. Ça m'envoie même pas de message quand ça passe pas. Étant modérateur, je peux. Non, mais je vois trois petits points. C'est tout. Ah. L'inspecteur va s'occuper de mettre le chat. Putain, t'es en train de voler mon top 8. C'est vrai qu'on n'a pas regardé un petit peu qui a bottom. Voilà, comme ça vous avez le lien du tournament et vous pouvez voir à peu près le classement et les lobbies. Je sais pas du tout quels étaient les résultats en termes de bottom dans le lobby A. Et du coup, en lobby B, c'est Master Elect, Zonitron, Diamond Skill et Polabro qui se mettent en situation compliquée dès le début et qui vont avoir besoin de comeback pour la suite. On va aller voir le LoL Chess de Metabullet. Si avec un petit peu de chance c'est mis à jour, on aura les résultats de cette game. Alors que les joueurs sont en grande discussion sur le fait de jouer en mobile. Un joueur sur mobile, un joueur qui n'a plus de souris apparemment. Alors, Metabullet donc top 1, Krixteraz à 3, DSML 2, Passionné Lucci 4, Ezio et Altair 5, Tralalalilop 6, Rafale Temor 7 et Feeders 8. D'accord, donc Rafale et Feeders 7 et 8. Il n'y a pas eu tant que ça de compo AP dans ce lobby. Ah. On a... Malheureusement, Rafale qui a top 7 avec un 5 gadgetin. Mais le lobby était très très close apparemment, puisqu'ils étaient encore 5 en vie au stage 6. On a eu du coup une game assez longue qui s'est finie tard. Malheureusement. Effectivement, tandis que le lobby B, tous les joueurs sont en train de dire qu'ils sont prêts. Donc ça devrait pas trop tarder à se lancer. Oui, ça va se faire très rapidement. On voit Krixteraz qui s'apprête à cliquer sur prêt. Enfin, sur lancer la partie. Puisque Krixteraz possède la couronne et qu'il est actuellement le maître de ce lobby. Et c'est parti. Alors, on va aller du coup dans le chargement. Enfin, tandis que le lobby B, ils sont partis eux. Ouais, lobby B, ça a lancé depuis un petit moment déjà. Malheureusement. Ils sont en train de jouer, ouais. On verra probablement pas la fin de leur game. Mais on les retrouvera pour la game 3. D'ailleurs, je vais comme là-dessus. Pour leur dire de nous attendre. Pour la game 3. Bon, soit si on arrive en stage 2, etc., c'est pas trop grave. Ça veut dire qu'on aura la fin du lobby A. S'ils ont un petit peu d'avance, c'est pas si grave. Et on est parti. Du coup, pour ce premier carrousel.
Rafale des morts qui a une tire, je crois. Ouais. Déjà une tire, du coup, pour jouer AP, effectivement, ça commence plutôt bien. Effectivement. Envie d'un blue buff. Bon, Star Crix qui a commencé avec un arc, qui pourrait potentiellement essayer de jouer AD. Je vais te rejoindre chez Crix. Voilà. On a... Oh. D'accord, on a 3 POV. Okay. Et la box Vayne, du coup. Arachne qui est... Je regarde juste le pseudo. Ezio, d'accord. Start Arc et box Vayne. Côté de Krix. Oh, avec une Kayle 2. Et B. Ça clique, hein. Plutôt bon start. Deux duelistes qui sont deux très bonnes unités. Hein. Kayle 2 et Vayne, c'est vraiment bien. L'arc qui met bien aussi. Exactement. Faut trouver un petit peu de front lane et il sera bien, Krix. Là, la belt. C'est des items qui ne vont pas ensemble, mais qui sont deux bons composants. Donc, pour l'instant, tout va bien pour lui. Oh. D'accord. On parlait de front. Il peut avoir un Galio 2 pour rester niveau 3 avec ses deux duelistes et éventuellement commencer à gagner dès le début. Il peut pas l'acheter son Galio pour l'instant. Non, mais je sais pas s'il va avoir des gold. Il a eu une box Vayne, ouais, donc c'est pas sûr en fait. C'est pas sûr. Ouais. Mais je pense qu'il doit garder cette Vayne quand même. Hein. Si Galio est pas oui, deux, oui. Bah, il y a un Last Whisper et il va avoir. Oh! Ah ouais. Alors ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je suis d'accord avec son play parce que la troisième, t'es absolument pas sûr de l'avoir. Tant que tu l'as pas, la paire elle coûte vraiment très cher et tu préfères t'ouvrir sur d'autres unités moins chères qui vont pouvoir passer deux plus facilement. Quitte à garder cette veine 1 pendant un petit moment et la trouver deux que plus tard, ça évite de te polluer le bench avec une deuxième veine qui sert à rien et qui coûte cher. Ouais, on est d'accord. C'est sûrement ce que j'aurais fait aussi. Mais du coup, là-dessus, Krix qui a un très très bon start. Et il a cliqué sur First Aid Kit. Alors, il a mascotte, il a un Galio 2 qui va prendre des boucliers. Donc pourquoi pas. Il est orienté du coup sur une compo sur de la Samira. A priori, encore une fois, en AD, c'est vraiment le champion qui est le meilleur. Et les autres sont tous un peu en dessous. Donc il va falloir que sa frontlane le régène, il va vouloir une Gunblade aussi dans la partie. En tout cas, il va jouer autour de sa régène et de ses boucliers. Alors qu'on a le fan club de DC Metele qui est pop dans le chat. Bonsoir à vous et bienvenue. DC Metele. Je n'ai absolument aucune idée de comment prononcer ce pseudo, donc pour moi ça restera DC Metele. Voilà. Alors mon pari c'est DC Metele. Ok. Je crois que c'est... Oui, c'est possible. Hein, mais... Ou alors se melt. Dans le doute. Voilà. Se mettre. C'est trop bizarre. Dites-nous dans le chat, le fan club. Comment on prononce? Comment on dit? C'est Rosolito, son pseudo. Ah, bah voilà, d'accord. C'est pour ça donc que c'est pas prononçable, en fait. Effectivement. Bien, je continuerai quand même de l'appeler Décemettez-le. Voilà. Ça me va. Ça me va. Je ferai de même. Alors que mes tablettes gros Galio avec une gargoyle, mais il y a un Last Whisper pour Krix, donc il pourrait passer. Et d'ailleurs, maintenant que son fan club est arrivé, Décemettez-le qui s'est mis en stream, donc on aura sa POV pour cette partie. Incroyable. Il n'attendait que ça finalement, cet homme est fait pour la foule et ne se montre que quand il y est invité. Il ne vit que pour les caméras. Il joue pour les caméras du coup. C'est vrai. D'ailleurs ce n'est pas le seul hein, bien sûr sur le lobby, aussi... enfin sur le ladder. Même en challenger il y a aussi des joueurs qui ne jouent que pour les caméras, bien sûr. Qui le revendiquent. Comme par exemple, ils sont challenger pour les caméras d'ailleurs. Bien sûr, la bande des Horny Mordog. Ça veut dire qu'il y a 5 joueurs qui récemment se sont rename Horny Mordog 1, 2, 3, 4, 5. Oh les légendes. Qui ne vivent que pour les caméras évidemment. On ne révélera pas leur identité ici. Alors il va acheter cette Vaille effectivement, Vaille qui
qui peut ouvrir une fenêtre underground éventuelle. Vaille qui a un bouclier dans son kit également. Donc avec First Aid Kit, ça paraît bien. Ouais. Goutte de ce métal de la SFAM. Eh ben, que des fans. Rosolito qui le dit, hein, qui le revendique bien sûr, un homme de spectacle. Très bien. Ça tombe c'est bien, assumé. C'est l'endroit, en tout cas, pour se montrer. C'est demi-finale de la Student Cup. Alors, Trem Lillop, lui, qui a cliqué sur du Star Guardian en augmente, aussitôt dans la partie. Et c'est le genre de composition où si on snowball pas, on peut avoir beaucoup de mal en fin de partie. Et il a pas l'air de gagner ses rounds pour l'instant. Pas l'impression qu'il ait d'upgrade particulière. Alors, le carrousel pour Krix. Il y a un arc 3 gold. Krix qui a déjà un Last Whisper, donc potentiellement aller chercher des compos défensifs. Il y a une cloak qui peut être ok. Armure, je suis pas forcément fan. Il a déjà une belt, peut-être. Je crois qu'il a la belt, ouais, effectivement. Ouais, il a la belt. Ok, donc bien, la Sunfire est un bon item. Autrement, les items armure sont un peu moins en prio dans cette méta, puisqu'on joue énormément AP. Mais ici, du coup, la Sunfire sur ce Galio 2. Ou même peut-être sur cette vaille, hein. Peu importe. Oui, il hésite, mais effectivement, elle va aller sur le Galio 2. Il a hésité aussi à rentrer Sivir, du coup, qui donnerait 2 civilians et qui rajoute un petit peu de healing sur ce First Aid Kit. Sur ce First Aid, ouais. Ce sera son niveau 6, probablement. Oui. Il confirme qu'il est conscient qu'il doit jouer des surshots. Hein. Ouais. Il va quitter cette Kayle pour des surshots, il va pas rester sur duelist. Bah oui c'est ça, c'est qu'en général après tu peux potentiellement jouer Z, mais Z la Whisper c'est pas son meilleur item et le setup est pas fou pour ça parce que tu veux idéalement commencer ta partie avec un Laser Corps pour aller jouer Z. Ouais. Alors et on a deux joueurs à 100 points de vie en 2-6. Feeder et Krix Terraz. Feeder qui joue je ne sais pas. Mais est-ce qu'on a sa POV? Non. Sénat. On verra plus tard. Alors, est-ce que tu revends ces trois là, t'achètes Senna et tu push 6? Hein? Pourquoi push 6? Pour s'assurer de gagner contre Feeder. Ah, non, je pense pas. Je pense pas parce que si tu push et que tu perds, ta game est finie, donc... C'est vrai. Mais je crois que s'il push, il va perdre. Et Feeder est passé 6 lui. Oh là là là. Feeder était passé niveau 6, hein. Ouais. Bah, ça a mis, c'est du gamble de toute façon, hein, sur ces timings-là. Oui. Est-ce que tu passes ou pas? Si les deux passent, celui qui perd a perdu la partie. C'est ça. Bon, a priori, niveau 6, sans être contre Krix, il devrait gagner, Feeder, du coup. Moi, en général, j'ai tendance à respecter quand même et de me dire, bah tant pis, si mon adversaire passe 6, bien joué à lui, moi je ne le ferai pas. J'ai tendance à être celui qui passe 6, moi, de mon côté. Je suis pas fan de ce genre de risques qui, je pense, sont vraiment beaucoup trop risqués pour ce qu'ils peuvent apporter. C'est souvent pour ça que je ne suis qu'un low master. Après, ça peut se faire. Hein. Il y a des joueurs, même très haut dans le ladder, qui jouent comme ça. Hein. Oui. Big up à Xperion qui, lui, passe absolument tous les jours. Hein. Sans aucune hésitation. Alors, il y a des belles paires dans son shop, mais il y a des paires... la paire de Vayne, est-ce qu'elle coûte pas un peu cher? Étant donné qu'on a envie de garder les surshots à tout prix. Bah, le truc, c'est quoi? C'est ça, t'as déjà Senna et Sivir, donc si tu veux te diriger vers une Samira, cet angle-là est plus direct. Sachant qu'il joue pas en underground et qu'il va pas rentrer underground au stage 3. Donc... Oh, il y a un Asus 2 qui est arrivé. C'est moins intéressant. Et une Gunblade. Bien joué à lui, là. Hein. Je comprends qu'il garde la paire Vayne, parce qu'actuellement, s'il a Kayle 2, Vayne 2, c'est mieux que Senna Sivir. C'est ça. Mais il faudra quand même faire un choix rapidement. On trouve Nasus 2, on trouve une Gunblade. Là-dessus, très très bon PVE pour Krix, qui upgrade sa compo vraiment fort.
On le rappelle, il y a le First Aid Kit qui vient sublimer du coup cette Gunblade, qui est un item qui est encore une fois extrêmement bon dans la méta. Je pense qu'il doit push 6, là il va le faire effectivement avec cette civir de civilian extrêmement fort. Oh, je suis pas sûr de ça par contre. Non, il va garder la KL2, je suis assez d'accord avec ce choix. Dans le pire des cas, s'il perd, il peut revendre un Galio. Ouais. Non, le Civilian 2 qui est bien, puisque effectivement, on rappelle que ça a été fixe et que maintenant ça marche correctement partout. Avant, ça fonctionnait que quand tu jouais sur ton board. Ah, je pense qu'il a voulu enlever la Kale pour enlever Duelist et activer Surshot en vue de l'augmente qui arrive maintenant. Ouais, peut-être. C'était peut-être son idée à Clixterra, parce que là, du coup, effectivement, là, il a. Les synergies sont vraiment pas folles s'il y a une augmente héros, ouais. Ouais, on lui souhaite pas. Alors, on lui souhaite de high roll, tout simplement. Alors, on va voir la réponse. Tout de suite, des augmentes. Et c'est de l'augmente de champion. Donc là, il est vraiment pas content. Il va roll. Alors, il y a un Alistar qui est pas mal du tout en. Ouais, il y a le Contem, peut-être. Il peut jouer Z. Hein. En first aid. Ah, c'est bien joué, ça. Ça c'est un joueur qui sait ce qu'il fait. Ça c'est bien joué. Quel clic. Il a caressé sa souris un petit peu avant. Il a récité trois incantations et il a cliqué. Grand respect à ce choix. Malheureusement, Krixteras qui révèle la tech en live, mais ici il fallait le faire. Il était là, tostestas, clic, bam, Samira. Il a montré à monsieur qu'en réalité, si tu changes ton board pendant que tu rolls tes augments, ça fonctionne. Ah, ça fonctionne? Ça avait pas été patch? Mais il vient de le faire. Effectivement. Il vient de le faire, il avait un 2 duelistes sur son board, il a roll deux fois, enfin il a eu deux rolls, il a eu deux fois Z, il a rentré sur shot, il a roll une fois, il a eu Samira. Non. Magie noire? Non, c'est juste le jeu. Grand respect. Bon, en tout cas, du coup, effectivement, Krix avec cette augmente Samira en 3-2 qui va pouvoir snowball. Qui est toujours à 100 HP en plus, donc qui est vraiment l'augmente qu'il lui fallait. Hein. L'autre était vraiment moins bonne. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe des autres côtés? Alors. De ce meuleteux. Qui est en Yumi, lui, qui est en train de roll. Rosolito. Qui. Ouais, va jouer. Probablement jouer Yumi. Il a déjà un très beau gear Nila. Et il a bien compris que. Dans la comp, Nila est plus importante que Yumi. Et il est quand même en 3 win streak avec 81 points de vie alors qu'il veut reroll. Qu'il a plutôt un bon spot. Je me demande quand même si. Ouais, et j'aime bien ce qu'il fait, il joue intelligemment, il a pris Gifted. C'est une très bonne augment sur Nila dans cette comp, puisque les trois items de Nila sont portés correctement par les persos qui l'entourent. Et comme tout le monde sera 3 ou presque, bah t'es très content d'avoir un item de plus sur un T3. C'est ça, et la Yumi sera triple item, donc elle pourra pas en prendre un. Alors je pense qu'il est d'un côté, il a très envie de faire rédemption, mais de l'autre, il est obligé de garder sa tire, donc c'est un petit peu awkward pour lui. En réalité, il n'est pas obligé de garder la tire. Je pense que Redemption est meilleur que Blue Buff. Ouais, parce c'est que vrai. Yumi, que c'est Yumi prend un peu tout ce qui vient. En fait, tu cherches pas de gear pour Yumi dans cette comp. C'est un peu bizarre, mais Yumi n'est pas le personnage principal ici. D'accord. C'est Nila qui va vraiment porter la comp et qui va faire que tu vas être fort. C'est Nila qui est vraiment l'unité la plus forte du board. Prendre une BF, ça pourra faire une Gunblade. Il avait déjà la baguette sur cette luxe. Il a besoin d'avoir du mid-2 là quand même. Hein. Il faut qu'il passe niveau 6 également, je pense. Oui, il doit trade sector en plus, donc c'est pas mal du tout pour reroll. Ouais. C'est pas une augmente de reroll, mais ça marche quand même correctement. Ce trade sector, en fait, t'aimes bien la jouer quand tu snowball et que t'avances. Parce que ça te donne des rolls gratuits qui peuvent te permettre de trouver des upgrades pendant que tu snowball et te rendre encore plus fort sans roll. Là, continuer d'économiser deux runes. Peut-être que je vais rechercher la push ce Malphite ici quand même. Essayer de protéger la win streak.
Quoi, la Luxe, il va prendre l'objet. Et on voit cette Nila triple item là qui est vraiment godlike. Ouais, clairement. Puis il y a qu'une Luxe 1 en face, alors en plus il y a une rédemption pour la tanker, donc elle va vraiment rien faire. Ouais, la rédemption plus les heals de la Nila. Ouais, c'est impossible hein, pour cette Luxe de faire quoi que ce soit. Elle a une streak qui est protégée pour l'instant pour Zolito. Il fait une très très bonne opération. S'il arrive à win streak tout le stage 3 en reroll Yumi. Ouf. Oh, ouf. Oh, il y a des beaux rolls en plus. Au niveau 5 en plus. Ouais. C'est vrai qu'il avait déjà Nila 2 aussi. Déjà 5 Nila. Il se met vraiment très 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 bien. Il est passé niveau 6. Ouais, il veut rentrer le super pour assurer ce dernier round. Ouais, dans le pire des cas, si on perd, on pourra vendre le GP. Du coup, je pense que si tu poses quand même Yumi, même si elle est que niveau 1, ça donne mascotte et... Elle peut faire un peu plus que Luxe. Il va pas le faire. On considère quand même que Luxe est meilleur. Ouf. Ouf, elle est belle cette Talia. Ouais, et surtout contre ce setup qui joue toujours paquet. C'est un très beau board. Alors après, encore une fois, il y a double rédemption là cette fois-ci pour tanker la Talia. Rédemption, encore une fois, qui est un très très beau contre composition AP. Ça suffit. Il va gagner. Rafale. En fait, ce genre de board, comme ce que je vous rafale là, c'est le seul board contre lequel t'as pas envie de te pack. Et bon, malgré ça, vu qu'il a cette Nila 2 triple item, il est quand même plus fort. Mais en late game, quand les deux sont full setup, je pense que tu joues un peu plus split. Oui. Pour éviter de te prendre le Viego et la Talia trop fort. Même si en réalité, cette Talia ne restera probablement pas. Elle peut jouer un petit moment quand même. Oh, encore ce Nila. Ça touche bien. Il a déjà 6 Nila. Ah, alors que c'est censé être le personnage le plus difficile à toucher. Pour si le niveau 6. Si la Nila 3, c'est quasiment gagné. Ouais, les items sont parfaits. C'est les 3 meilleurs, ouais. Juste ouais. Le stuff que t'as envie d'avoir sur Nila. Clairement. Alors là, de quoi il a envie du coup? Peut-être du... Il a envie d'avoir un petit peu le stuff Yumi ou alors stuff une autre front. Bah, double Shogat qui fait le palier en plus. Plein d'argent. C'est juste ce que t'as envie d'avoir hein, parce qu'il a déjà ses items. Donc là, ici, avoir de l'argent pour lui, c'est trop bien. Clairement. Allez, on va continuer à roll. Et ça touche là, Yumi vraiment 2. Bien. Ça y est, bon là, il est vraiment très très bien. Et il a tout. Même un peu ouais. Plus puisque 6 Nila sur ce timing, c'est énorme. Clairement. Il manquerait le 2. Les autres units qui commencent à venir aussi, donc là pour le coup ça met très bien parce que quand tu reroll, tu préfères avoir un petit peu de tout plutôt qu'un seul à fond. Ouais, clairement. Je pense qu'il est en train de le roll quand même, il a pas L2. Le Krixteraz avec sa Samira qui est toujours à 100 HP, mais peut-être qu'il va perdre sa streak ici. Ouais, effectivement, il est pas mal. Après, Krixteraz qui a un triple item sur cette, après, ouais. Cette Samira qui est très très forte. À voir si elle peut tomber la Nila. Ouais, elle va tomber. Morte, ouais, donc il va conserver sa streak, Krixteraz. Ouais, le petit rite qui est lâché dans le chat. Mais bon, encore une fois, il est en Yumi, donc concéder sa win streak. Il savait qu'il fallait qu'il le fasse tôt ou tard. Là où Krix, lui, en tout cas, vu qu'il a envie d'aller très loin dans les levels. Oh, le sac de composants me paraît vraiment fort. Ouais, c'est je pense que Mascotte c'est un bait, mais du coup c'est un des deux, Ascension ou Grab Bag. Alors je sais que je suis biaisé parce que je suis complètement addict au Grab Bag. C'est en très général, fort, j'aime beaucoup aussi, je clique très souvent dessus. C'est très rare que je clique pas dessus. Mais j'avoue il que va prendre Ascension. Moi, je peux cliquer sur les deux, donc là j'aurais probablement pas mal hésité. J'aurais pris Grab Bag. Hein. J'aurais pris Grab Bag très très vite. Ok, donc on a... Sinila, Simalfit, Silicine, il commence à manquer un petit peu de Yumi quand même. On a les logos LDV qui proc dans le chat pour soutenir Krixteraz. Let's go. Qui fait une très belle game. Ouais, je vais regarder un petit peu les résultats de la game 1. Krixteraz, il y avait top 3 et Roxolita qui avait top 2. Les deux joueurs qu'on a suivis pour l'instant dans cette partie sont des joueurs qui sont déjà assez bien dans le classement. Et qui ont l'air bien partis pour refaire un top. Et cette Yumi qui va proc la Gunblade, ça suffira pas.
Il y a Sorak à 2 Spellslinger hein, pour Azio ouais. ici. C'est une good loss. Hein. Après, regarde les items un petit peu qu'il a sur, le bo- sur, sur, sur son banc. Mmh. Azio, c'est vraiment pas passionnant. Ouais. Un peu inquiétant pour lui. Ok, la Yumi qui arrive un petit peu. Va pas, Malphite également. Moi, ça m'inquiétait du benchlock, hein, je t'avoue. Bon, ça devrait aller, cette Annie ne restera pas, donc il a 2 places. Ouais, bon. Encore une Nila. Il va trouver GP2, ça va lui en libérer une de plus. S'il le trouve pas, il pourra éventuellement s'en séparer. GP3, c'est sympa, mais si tu l'as pas, bah tu forces pas dessus. Oui, vu que c'est le one cost de la compo et qu'on roll au niveau 6, c'est pas très grave. Alors, on tag Feeder. Feeder, lui, qui est level 8, 40 gold. Avec une, avec MF2, une MF2. Avec un super gear. Et un Urgot, déjà. Magnifique son spot. Et en plus, cette Nila qui va clear un petit peu. Le lobby est vraiment fort. Il fait que des good loss hein, pour l'instant, Rosolito. Il a fait vraiment 3 good loss. Il a perdu très peu de points de vie. Donc, il est très content. Trala et Ezio qui ont 5 et 10 HP. Ça peut être vraiment dur pour les deux. On peut peut-être aller voir ce que fait Ezio. Yep. Ezio qui est Monsieur Akarno. Monsieur Arachne. Effectivement, alors il va prendre une tire. Il joue. C'est lui qui avait la Sora. C'est lui la Sora Casper-Singer. C'est ça. Il va trouver le Blue Buff qui va vraiment lui faire une grosse Power Spike. Alors je sais pas ce que c'est son admin. A voir si le Blue Buff va lui permettre de comeback. Mais encore une fois, c'est une Hoge à côté. Alors que Krixteraz est aussi dans le chat. Il a compris hein, que c'est la tech pour gagner des games. C'est aussi ce que font les joueurs X-League. Dans le chat et dans la game en même temps. Ça m'est bien. Il a trouvé la Nila 3 au solito. Les petits fiddles au 7. Malheureusement, c'est pas forcément ce qui l'intéresse. Alors, il y a une Leblanc RFC QSS Ginzu. Ouais, il a fait ce qu'il pouvait avec, avec ses items. Ouais. Une Talia 2 qui va se faire grab. Etc. Okay, ouais, qui a proc un grab sur, son, sur sa troisième augment. Du coup, il a pris la forge. Je sais pas s'il a du mana on kill. Ouais, cette Soraka qui a un beau gear, mais malheureusement, ça suffira pas. Il va tomber ici, Ezio. Ouais, non. Il tombe contre Krix. Krix qui est beaucoup trop fort sur ce timing. Ce sera un top 7 ou top 8. Ah! Dommage. Aïe, aïe, aïe. Trala est mort aussi, mais de très peu, donc ça suffit pour lui, il fera top 7. Malheureusement. Alors, si on allait voir un petit peu ce que fait Rafale. Allez. Rafale avec son Viego et sa Talia Renegade. Oh. Donc un Fiddle au 7, qui peut plutôt bien rentrer. Un Fiddle Renegade Spellcrit, c'est pas mal. Par contre, la Shogin, du coup, il n'y aura plus de porteur. Mais... Est-ce qu'il reste pas ce Viego quand même? Peut-être que ce Echo devait quand même rester. C'est un peu bizarre parce que du coup il passe en 5 Renegade. Mm. C'est le 6 qui n'est débloqué que par la Léona. Oh, il a mis Slick. Il a mis Slick à cette c'est Renegade. Terrible ça. La pression, la pression du cast. La caster curse, mesdames et messieurs. La voilà. Ouf, il a pris une vieille tartine en plus. Il a tardé à poser ses objets, effectivement. Il a cliqué sur l'augmente carré de Viego, qui lui donne de l'omnivamp. Non, il faut le dégager, Stalista. Tant pis. Ah, il a besoin de Léona, du coup, si tu dis pas de bêtises, pour avoir le Sirenega. Ouais. Ah, il est dans le spot un petit peu awkward où il est obligé de gamble la légendaire qui cherche à tout prix au niveau 8. Ouais, puis il va pas avoir beaucoup de gold la roll au 8. Ouais. Pas forcément les items qu'il préfère en plus là, qu'il a trouvé. Pas trop ce qu'il peut faire, peut-être un guard breaker. Ouais, probablement.
Guardbreaker Zephyr pour comeback. Non, en réalité, ce spell crit devait aller sur Viego, je pense. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Après, le Guardbreaker, il peut décider de le mettre sur Fiddle aussi. Il va faire. QSS Fiddle Stick. Alors. Oui. Je suis pas expert, mais ça me paraît pas très très bien en termes de synergie, ça. C'est pas hyper opti, ouais. Du coup, le Viego est complètement bloqué, il peut pas avancer. Il y a pas de place pour passer. Ouais, je crois qu'il est, il est un petit peu tilté par, par son misclic là, Rafale Temor. Allez, le fidèle qui va partir, c'est lui qu'il faut regarder, hein, c'est le carry de la comp. Il fait quand même des dégâts très convaincants. Le Viego qui va survivre pas suffisamment, le deuxième cast qui se fait cancel, est-ce que le fidèle peut y aller? Faut aller sur la MF, ah ça suffira pas, ça se joue à rien. Là il doit roll down. Ouais. Ah maintenant il faut prier pour cette Leona. Ouais, il y a de la légendaire, mais c'est pas les bonnes. On y va. La Nid 2, ça peut être une bonne upgrade. Pas trop mal. Ok. Bon, y a pas grand chose dans ces rôles pour l'instant. L'Urgot, c'est toujours pas le bon. Allez, Leona. Il reste une vingtaine de gold. Là, malheureusement, il a roll un peu lentement, mais il avait encore des gold. Ouais. Il a 13 points de vie. Alors, est-ce qu'il peut survivre un round de plus? Meta, je sais pas. Meta qui est en 4 ace. Ça va être difficile à avec tomber. Avec cet énorme MF2. Ce 7. Alors, le fidèle qui met quand même un très gros cast, mais qui va se faire accueillir directement par un cast de MF. Non, c'est terminé. Et qui va tomber. Ça m'a l'air terminé. Effectivement, le Viego prend des bons resets, mais ça suffira vraiment pas. Ah, quoique, il a tué la MF. Quand même, puisqu'il a tué la MF, ouais. Allez, une trentaine de gold encore à roll. Il faut y aller. Leona, maintenant, peut-être. Il n'y a plus le choix. Hein. Maintenant, c'est full all-in. Middle 2, peut-être qu'il peut arriver. Leona est arrivée. Il est là. Elle est là, effectivement. Ouais, il faut mettre la full-in sur Leona. Hein, au point où on en est. Oui, oui. Il faut refaire des rolls. Hein. On ne sait jamais si Fiddle 2 arrive. Il n'a que ça à trouver, de toute façon. Allez, on y va. Pas le bon encore une fois, ça viendra pas, dommage, mais, ouais. Mais le Sirenega qui va quand même lui donner une bonne spike, donc c'est pas trop grave. Le Sirenega quand même, ouais, bah, il devrait pas si faible, devrait lui donner pas mal de jus. Faudra qu'il fasse attention après à son placement pour les Leona. Fiddle qui est parti, qui va pas aller sur la Samira, qui va se faire accueillir du coup. Et le Viego, lui, par contre, du coup, bah, il a trois bons objets quand même. Mine de rien, cette Warmog le rend très tanky, très difficile à tomber. Comme dire, ouais, Viego tank, mais pourquoi pas, hein, ça fonctionne ici. Ouais, mine il a, de rien, il a ses dégâts par son augment et sa synergie. C'est ça. Et entre le skill et son augment, en plus, il a vraiment beaucoup de dégâts. Il y a Fiddle 2 dans ce carousel. Alors, est-ce que Metabellet va lui deny? Non, il n'est pas intéressé par ce Runan. Runan qui pourrait aller en plus sur un Aphelios éventuellement plus tard. Alors que Tessemetelu est toujours en streak avec son setup Yumi et sa magnifique Nila 3. Oh, il est trop fort, hein, actuellement, ça c'est une évidence. Le Runan qui rentre, peu importe où, c'est pas très important. Ouais. C'est pas la question. C'est vrai que là, il y a un Fiddle 2 quand même. Fiddle 2 Renegade avec ce gear, c'est pas mal du tout. Le Viego Tank qui fait quand même du travail. On a vu qu'il a quand même des dégâts assez importants. Est-ce qu'il a pas 100% de crit du coup là avec la SPAT et la QSS? C'est possible, oui. Ou pas loin en tout cas. Ouais. Hein. Il a beaucoup. Encore une fois, il y a un Thrill qui peut lui permettre de régénérer assez facilement. Donc on va tag l'autre joueur Viego, Passionné Lucci, qui joue un Viego Morello. Mais qui n'est pas en ouais, 6. Et... Il est pas ouais, en 6, il n'a pas Fiddle 2, donc logiquement Rafale est meilleur. C'est ça, Rafale a l'air d'avoir de meilleurs compagnons ouais, pour ouais, ce ouais, Viego. Ça passe très ouais. bien. Clairement, Fiddle le Fiddle qui repart à tourant quand même le Viego en face, qui fait quand même un excellent travail. Ça suffira pas. Bon, en réalité, c'était plus close que ce qu'on ouais. aurait pu penser. Je suis d'accord, le Oxforce qui scame un peu certains rounds. Et il est toujours à 3 points de vie du coup.
Rafale. Mais il est toujours vivant. Feeder est tombé à 4 points de vie, donc il pourrait mourir aussi. Urgot 2 qui est trouvé pour Feeder. Alors qu'est-ce qu'il a envie de faire là du coup? Métabelette qui est passé niveau 9. Ah. C'est ça qu'il y a, il y a 3 joueurs du coup qui sont vraiment bas en points de vie, qui n'ont plus qu'une seule vie. Ouais. En un round, ça peut tout changer. La méta avec son setup 4 Ace qui est passé 9 pourrait être vraiment très dangereux sur cette fin de partie. Et on va tag le ghost de. Je sais pas qui c'est. Je pense que c'est Feeder puisqu'il vient de passer Urgot 2. Effectivement, Urgot 2 d'ailleurs qui a une spat. Oh, le casse de Fiddlestick est exceptionnel! Il a fait tellement de dégâts, le Viego qui vient clean up derrière! Ça donne les resets au Viego et il n'y a plus de dégâts en face. Viego qui devrait pouvoir passer. Ouais, il va prendre ses resets tranquillement. Allez, finir cette Jinx. Et Feeder. Ah bah Feeder, en fait, c'était pas un ghost. C'était le vrai, effectivement. Et voilà, comme on le disait, les deux joueurs qui sont tombés, Métabelette et Feeder, qui vont aller faire un bottom. Alors c'est 5 et 6, donc par rapport au nombre de points, c'est pas catastrophique. Non, ça va, mais Métabelette qui a top 1 la première, mais qui du coup ne fera pas full top 1. C'est vrai. Et qui fait son premier bottom du tournoi d'ailleurs. Terminé. Ouais, top 5 pour Métabelette. Quel game de fou. Et au final, Rafale qui va sécuriser un top 4. Avec ce spot un peu compliqué qu'il avait sur un Viego légèrement bancal en mid-game. Mais grâce à ce Fiddle 2, il a réussi à stab son début de late et il s'en sort avec un 4. Peut-être un 3 d'ailleurs, hein, puisqu'on a vu qu'il y a... Je crois que c'est passionné Lucci qui a 9 HP. Ouais. Mm-hmm. Il y a le Aphelios qui va rentrer. Qui va apporter un peu de CC à la compo. Ouais, qui porte bien les items en plus. Ouais, il va gamble alors, légendaire 2. Et c'est là du coup qu'on regrette d'avoir mis cette Shojin sur Leona. C'est que la Shojin sur Aphelios, c'est un de ses meilleurs items. Ouais, c'est surtout avec le stun. Ah, est-ce qu'il peut rebuild. Il doit rebuild, ouais, il va le faire. Il l'a vu, bien joué. Il a du sang-froid, hein, Rafale. Il a vraiment beaucoup de sang-froid parce qu'il a 3 points de vie depuis quelques rounds. Et il fait quand même uniquement les meilleurs choix. Bon, cette QSS qui était un petit peu sus, mais... Mais au final, qui paye bien par rapport à la chance de crit. Bah, c'est pas mal aussi, parce que ça peut permettre au Fiddle de cast une deuxième fois assez tranquillement. C'est ça, et cette warm-up de Viego, au final, qui lui a vraiment permis de survivre à pas mal de rounds, ouais, d'aller prendre des resets. Parce qu'en fait, ouais, comme c'est ça, hein, comme tu proc le Oxforce plus tard, puisque t'as plus d'HP, bah potentiellement tu joues un petit peu mieux, et ici ça va passer encore une fois contre Krixteraz. Ouais, le Viego qui fait vraiment beaucoup beaucoup de dégâts, le Fiddle également. 15 000 points de dégâts. Peut-être une Warmog Diff sur ce fight. Ouais, complètement. Une nouvelle technologie qui est trouvée par Rafale. Grand respect. Alors, ce serait bien de trouver une petite paire de légendaires avant le carrousel. Il y a une Leona qui va lock instantanément. Ouais, et là, ouais. S'il y a une Leona Carrou, il sera très heureux s'il survit jusque-là aussi également. Ouais, il a fait le roll du bronze, mais là, oui, tu dois donc de toute façon, t'as 3 HP, donc il n'y a plus grand-chose d'autre à faire. Exactement, alors faut faire attention, il y a une Leona 2, faut surtout pas que le Fiddle se la prenne. Je sais pas s'il va le voir. Il faut le bouger. Aïe 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 aïe. Et alors, il va attaque Lucci et la Leona pourrait casser. Elle va sur qui? Elle va sur l'autre et le Fiddle va pouvoir s'enfuir, je crois. Non, il est resté à côté de la Leona, faut faire attention à ça quand même. Ok, ça a l'air d'être bon, c'est bon. Bah c'est bon. C'est mais est-ce que ça suffit? Ça passe, le Fiddle va recasser. Est-ce que ça suffit? Le Fiddle, il a besoin d'un proc. Il ça ira, pas... puisque de toute façon il reste sur Aphelios. Aphelios qui n'aurait pas perdu son 1v1 contre Assol. Ça suffit pour Rafale qui fait top 3, peut-être 2. Effectivement, pendant ce temps-là, du coup, de ce meuble, c'est un top 2. Rosolito, qui fait tomber Krix. Krix Taras, top 3. Par contre, je pense que là, contre la Yumi, s'il se place correctement, Rosolito, ça va être dur d'aller chercher son setup. Ouais. Ouais, c'est bien vu, il va rentrer un Alistar. C'est vrai que c'est Alistar 2 aussi qu'il avait revendu un peu plus tôt à cause du Misclick, ça a dû lui faire mal. Après, il est full paquet hein, de Rosolito. Et en soi, contre Viego Fiddle, même ce Aphelios triple item avec le stun, ça peut vraiment l'aider pas trop mal, même s'il y a une rédemption. Alors, on va voir. Est-ce que le Fiddle est capable de tomber tout ça? Avec le Viego en plus.
Il y a le zap qui va l'aider beaucoup. Le fiddle est parti, il fait beaucoup de dégâts, la Yumi qui est tombée. C'est la Nila qu'il faut regarder pour l'instant. Là, Viego qui va prendre la première reset, il prendra pas le deuxième. Le proc Oxforce qui lui permettra pas d'en prendre encore un. Et Roso Lito avec sa Yumi. Et sa Nila 3 qui est arrivé tellement tôt. Il réussira à snowball. GG aux deux joueurs du coup qui vont 1 et 2. Bon, de ce Meluto qui a eu une game magnifique en Yumi. Et, très beau comeback Viego de Rafale. Exact. Alors les résultats vont être mis bientôt sur Tournament, le screen de Rosolito qui va être fait. Pendant que on va pouvoir se diriger vers la poule B. Ouais, parce que exact. Je pense qu'ils attendent pour lancer. Ils vont pouvoir. Aïe, malheureusement, Feeder qui va abandonner le tournoi ici. Ah. Parce qu'apparemment, il a des difficultés pour jouer. Effectivement, je crois qu'il était sur téléphone au début du tournoi, c'est peut-être toujours le cas. C'est dur. C'est très dommage de voir s'en aller comme ça, mais. Et Rosolito, du coup, qui s'envole complètement au classement, petite fait 15 émote, points. Petite émote pleine de tristesse de Pandragon qui est abattu par cette nouvelle, mais malheureusement. Rosolito qui va récupérer 15 points, du coup, en deux parties, 15 points, un top 1, un top 2. Non, ça le met vraiment bien. La poule B n'est pas à jour encore. Bon spectateur, je vais t'abandonner pour une petite minute. J'arrive tout de suite. Heureux. Alors, si jamais des joueurs m'entendent, je vois qu'ils sont en train de se poser la question dans le lobby, c'est bien 5 parties, hein. Exact, allons-y. Et B. Il est très très en place. Ouais. Effectivement, on a un top 3 qui s'envole un petit peu avec 16, 14 et 11. Et après, c'est assez close pour la quatrième place. 8 points, 8 points, 7 et 6. Mmh. Effectivement. Mais
pour l'instant, on a une Game 3 qui va pas tarder à se lancer. Hop, on va donner le go. Et on va repartir. Alors, on a Achilleus, on a Paula et on a Sylvain qui est peut-être Toulouse. Non. On va attendre de voir le pseudo. Ah, c'est Diamond Skill, d'accord. Ouais. Il y a Holopi également qui stream. Ouais. Alors, on va regarder le classement. Le classement. Holopi est top 4 tout pile à égalité avec, avec Diamond Skill. On a les POV des deux joueurs. Ouais, et on a Paula également qui a 7 points. C'est pas mal. Moi, je propose qu'on commence par Diamond Skill sur cette game. Allez, je te suis. À Toulouse qui est peut-être en AFK pipi. Ah merde, ah oui, effectivement c'est possible que sur cette scène. Bah si pourtant. Étrange. Bref. Apparemment on m'entendait plus sur le stream, mais ça devrait être bon. Ah. Si si si, non, je pense qu'il n'y a pas de problème. Hein, Et les prédictions sont lancées dans le chat, d'ailleurs. Qui va top 1 la game 3? Mettez vos points sur vos poulains. Mais moi je vais mettre des points sur je sais pas trop. Allez, je vais mettre des points sur Holofist. Comme ça, régalez-vous. S'il gagne, c'est cash. S'il gagne pas, c'est pour vous. Je mets 5000. Comme ça. Écoute, moi, j'ai envie de voir un triple top 1. Je vais mettre 1500 sur Toulouse. Hop. Comme ça, si jamais il y a une victoire de l'Office, je me mets particulièrement bien. S'il gagne pas, et bah tant pis. Ce sera pour la commu. De toute façon, j'ai largement assez de points. Oh là, bon, quelle bonté. Bah, je passe ma vie sur le stream. Enfin, je trouve qu'avec toutes les régies et tous les casts que je fais ici, ouais. Mon nombre de points de chaîne actuellement est vraiment largement suffisant. On a encore un fan de Rosolito dans le chat. Il y en a beaucoup. Malheureusement, tu ne vois pas Rosolito pour cette game 3. On le retrouvera pour celle d'après, du coup. Exactement. Ah, mais on voit quand même fan, mais il y a quand même du doute. Hein. T'es le meilleur, je crois. Bon, ça a un petit peu plus de conviction pour motiver son joueur, ça peut être pas mal. Allez, on est parti cette game 3. Alors, il y a des arcs qui ont été pris. Hein. Déjà. Monsieur Diamond Skill qui start avec une cloque. Donc ça ressemble un peu à un carreau perdu. Ouais. C'est vrai qu'avec la cloque, on fait pas grand chose en début de partie. Un zap éventuellement. Après, si je dis ça. J'ai top 1 en GM ce matin avec un start cloque. Mais bon, enfin, il peut tout se passer quoi. Mais globalement, c'est pas régulier sur les bons résultats, on va dire. C'est vrai. Il faut trouver les bons objets dans ce stage 1 pour aller avec. Et on a une box Riven. Je trouve qu'actuellement dans la méta, comme il y a énormément d'AP, la Diclo est quand même un bon item. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a debout? Pas grand-chose. Dans ce rôle, petit début de gadgetine éventuellement. Ouais, box Riven, ouais, donc... soit du brawler, soit du gadgetine, je pense qu'actuellement c'est les deux meilleurs starts. Brawler, ça peut t'emmener vers Anima. Oula. Alors, Draven, j'ai tendance à penser que c'est plus vraiment quelque chose. Hein. Vraiment pas fan. Alors, peut-être avec un autre stuff.
Peut-être avec une BT, peut-être avec des items un peu plus tanky. Ouais. Mais je suis pas convaincu non plus. Donc je pense que j'aurais revendu très rapidement. Je pense aussi. Mais du coup, ouais, donc je disais brawlers qui peuvent t'emmener vers Anima, qui peuvent t'emmener vers Soraka, qui sont deux compos tout à fait corrects. Et Gadgetin, du coup, qui est aussi un très bon start, qui peut t'emmener vers le reste de l'AP, voire même un rester en Gadgetin et éventuellement aller chercher un 5. Alors, je pense que c'est 1 ou 3, pour pas se commit trop tôt dans la partie. Rich Get Richer, effectivement, qui est très très bon en 2-1, et décidément, cette Poppy qui avait envie de passer 2-1. Qui a un Runan à poser éventuellement. Ouais, il va poser un Draven. Pour l'instant, c'est sa meilleure unité back. Mais je pense que vu que t'as Poppy 2, tu dois quand même prendre la paire Lulu. Ouais, je suis d'accord. Il hésite à vendre ce Blitzcrank pour un Runan. Il va pas le faire, je trouve ça correct. Ouais, donc clairement. Runan qui est bis nulle part actuellement, et puis t'as pas envie de te commit sur de l'AD. Effectivement, la Poppy qui va pas croque le shield. On voit que Dark Book a déjà slam en Last Whisper, donc il va jouer AD. Et... Mm-hmm. Et Dark Book d'ailleurs qui a déjà Sivir Senna. Bon. AD c'est compliqué à jouer actuellement, mais en plus si t'es contest, tu commites pas. S'il y a 7 joueurs AP dans le lobby, que t'es sûr qu'ils vont tous jouer AP et que t'as un bon start, potentiellement tu peux, mais c'est tout, je pense. Je mettrai Sivir over Draven et je ferai 20 gold à la place de... Ouais, les paliers sont vraiment importants, tu veux snowball ton économie puisque tu joues en reach. Mais là du coup il pourra pas faire. Il garde ce Draven, il peut pas vraiment vendre la paire et je pense qu'il a envie de garder cette Sivir malgré tout. Après il a une bonne front, donc si ça peut lui faire des good lose voire des victoires, c'est pas mal. Clairement, Achilles qui est en métabolique de son côté. Aki qui est en méta, donc qui va probablement open. Ouais, ça a l'air d'être le cas. Riven 2 et bébé. Moi, c'est un petit board de Winstrix. Hein. Ouais, clairement. Alors, il peut choisir de passer 5. Peut-être rentrer la Sivir en vendant ses Nasus. Alors, je pense pas. Par contre, ici, il y a un pré-push. Aussi, ouais. Et il tague un niveau 5. Zonitron qui est en 3 underground. Castlam en Z. Avec Troutouze. Qu'il a vraiment besoin de gagner son early game. Pour pouvoir valider son augmente en termes d'économie. J'ai l'impression qu'il va avoir du mal à tomber la front de Diamond Skill quand même. C'est Draven 2 qui est vraiment énorme avec le Draven qui met des grosses bastos derrière. Ouais, clairement. Draven qui va peut-être troll un peu son cache là-dessus. Non, ça va être bon, ça va bien partir. Il y va, ça a l'air de passer. Ah, ça c'est dur pour Xenitron, c'est très très dur pour Xenitron qui a pas d'augmente de combat. Qui a un augmente qui le force un petit peu à gagner son early game. En plus, il était passé niveau 5. Diamond dit qu'il peut passer à 20 gold. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il va vouloir prendre? Il a une RM. Il va faire prendre une cloak. Ok. Il a un sous-tris. J'ai eu un petit. C'est que ouais, il a 30 gold en. Oula, ouais, ouais non, clairement, tu prends la Vayne, tu prends la Riven.
Alors, du coup, non, je pense que ouais, ce Jax, il a rien à faire ici. Tu veux juste prendre la veine et commencer potentiellement à te diriger vers un anima en reroll sur les trois costes. Complètement d'accord avec toi. Même si la Riven est sûrement même mieux que le Jax à poser tout de suite. Ouais, et du coup, tu te denies une veine. Je suis pas fan. Un peu dommage qu'il ait pas vu ça. Après, on va tag un Toulouse. Toulouse qui est en 4 underground métabolique également. Ça va être intéressant à suivre ça plus tard. Quand il cherchera son cash. Alors pour l'instant, il a que 3 underground. Je crois qu'il a les 4. Hein. Non, c'est une Senna. Sa quatrième unit. Lui, il a Kay, Ezreal et Vi pour l'instant, parce qu'il est niveau 4. Sylvain, t'as raison. My bad. Regardez du coup ce Jax qui est un petit peu CS. Il y a un 4 brawler éventuellement dans son shop. Ouais, mais tu peux pas sortir Poppy. Discord qui commence à lag un peu de mon côté. Voilà. Avec Master Elect, un potentiel bon start anima aussi. Sur des rerolls plutôt, Nasus et Jinx. Ouais, mais il est en cybernétique et j'ai l'impression que c'est la version AD. Oui. Ça. Ouais, c'est le cyber qui donne de l'AD celui-ci. Ouais. J'ai l'impression qu'il va perdre là-dessus, Nasus qui a eu des excellents objets. Ouais, Sunfire qui fait très mal. Puis ouais. Il a beaucoup d'upgrades aussi. Et du coup, il va peut-être vendre cette Riven. Et acheter Lee Sin. Il faut la garder. Ouais. Du coup, le Jax qui lui a coûté vraiment cher et qui sert absolument à rien. On est d'accord. C'est une petite erreur là-dessus. Alors. Qu'est-ce qu'il y a de beau chez les lobbies? Ouais. Ok. On peut peut-être bouger un petit peu, oui. Ouais, Toulou, du coup, qui est toujours en underground, lui de son côté, avec son métabolique. Il y a deux métaboliques dans le lobby, du coup. Toulou qui trouve des très très beaux objets. Il a eu deux arcs. Il peut choisir de faire un GS. Alors, je crois que c'est sa première stack d'underground hein, pour l'instant, il est à 9 sur 10. Ouais, vu qu'il est en 3 là, oui, forcément. Et il a fait que des défaites. Il a eu underground en 2-3 du coup. Dark Book qui a un gros setup ici. En laser. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'AD dans le lobby, hein, mine de rien. Ouais. Dark Book, du coup, qui a déjà Brunel Last Whisper. Toulou, de son côté, qui a de Last Whisper aussi avec ce GS. Et les deux ont des Senna, donc la transition vers la Samira est assez naturelle. On a déjà de la surshot à côté. Ok. Bah, du coup, c'est Forge. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Donc, s'il va devoir choisir pour son Underground, je pense que ouais, tu laisses passer. Et du coup, la Forge, on a un Collector. Ou un Zonia. Ouais. Je pense pas que la Mana Zen soit intéressante dans son setup. Je suis d'accord. Zonia qui est plus en build AP. Alors, il va prendre la Mana Zen du coup au final. Après, c'est vrai que sur une Samira, peut-être. Bah.
Manazen Aphelios, ça peut être quelque chose, je pense, mais c'est très long. Parce que je suis en train de penser les transitions possibles avec cette Manazen. En late game, il y a beaucoup de champions qui la portent très bien. Il y a Urgot, il y a Aphelios, effectivement. C'est vrai que ça peut être un bon choix. Des légendaires comme ça qu'on sent de mana ou pas loin qui pourraient cast deux fois très vite. C'est ça, mais maintenant, comme tu le dis, c'est très loin et il a 63 points de vie. Il a encore son underground à cash, etc. Il a d'autres problèmes pour l'instant. Avant d'arriver au niveau 9, il va gagner ce round. De toute façon, pour l'instant, il peut juste continuer à chill. Oui, il a juste envie de passer 7. Il est aussi en métabolique, hein, donc de toute façon, même s'il perd, il récupère des HP. Il va push 7. C'est très 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 agressif. Ouais, bon, après ça peut rester à 20 gold. Il s'ouvre les odds d'épic être légendaire. Ouais, je suis ok avec ce play, ça me paraît bien parce qu'il le fait tôt et il a quand même 20 gold, donc il a quand même une grosse économie. Il aura le temps d'être à 50 gold d'ici le stage catch pour faire des rolls s'il a besoin. Hors tempo, ouais. C'est pas fou. Surtout pour continuer à perdre. Mais bon. C'est vrai. S'il trouve une Samira, en fait le truc qui est bien ici c'est que s'il trouve une Samira, il passe en 4 underground et il est vraiment plus fort. Ouais. Alors le Karou. Il n'y a pas de 4 cost intéressant pour lui. Il va choisir de faire une Bramble, une Sunfire avec cette armure. Sûrement ce qu'il va chercher, des items front. Une Stone Plate avec cette RM. Non, il va prendre la BF. Il veut build les deux sur shot, j'ai l'impression. Ouais, ou alors. Non, il a pas de belt. Hein. Il se dit que cette Manazen n'irait pas sur Samira, donc il cherche un troisième objet, j'imagine. Oui, je pense. Avec Samira, Manazen, je suis pas sûr que ce soit incroyable puisqu'elle est manalock pendant son cast. Et effectivement, il y a vraiment beaucoup d'AD dans le lobby. La Diamond Skill qui est toujours avec son Draven, qui a deux Riven 2. Avec un trait de secteur en plus, donc on peut vraiment envisager une Riven 3. Riven 3 qui est une excellente unité. Est-ce que ce Draven peut le faire? Il n'y a pas de regen, je pense qu'il va tomber. Les surchats qui ont pu proc trop d'AD. Voilà. Et du coup, il va pouvoir proc son underground au prochain round. Je pense qu'il a envie de, récupérer là. Il n'a pas envie de garder les undergrounds plus longtemps. Il y a un Zac qui est pas Zac mal du tout. Zac qui est meilleur que. Il n'a pas hésité une seule seconde. Hein. Que 7, oui, c'est sûr. Encore un joueur d'AD, Xonitron. Et ils vont tous jouer Samira, hein. Donc là il va y avoir des déçus. Pendant ce temps-là, du coup, c'est les joueurs d'AP qui sont contents, qui vont pas être contestés. Ouais, alors que d'habitude. C'est la loterie hein, sur ce lobby. D'habitude, ils le sont. Il va y avoir des petits jeux de chance qui vont être lâchés à la fin de ce lobby. C'est sûr, oui. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce cache underground? Protector's Vow et une tir. Bah, c'est vraiment pas fou. C'est pas fou, mais je crois qu'il est obligé de prendre. Il a pas le choix, ouais. Protector's Vow, c'est ok. Il avait pas d'item de front, donc ça peut régler un petit peu ce problème. Il va pouvoir faire son palier de 50.
peut se séparer des Underground qui commençaient à être beaucoup trop sus. Cette tire en soi, ça peut être une, ça peut être une hoge. Rosolito dans le chat qui nous demande de retourner le spec. Je pense que sa game se passe moins bien que la précédente. Il a besoin du caster buff. Malheureusement, on n'est pas sur le bon lobby. Exactement. Nous ne sommes pas biaisés, mon cher Rosolito. Courage pour ta partie. On ne la regardera pas. Alors, il va rentrer. Une Talia. Talia des New Metapog. Alors. Bah après, Talia Mana Zane, GS et il a une baguette. Moi, peut-être. Du coup, il va jouer un double, enfin, de setup double carry, 1 AP et 1 AD. Waouh! D'accord. Il prend tout ce qui est fort et il le joue, sans réfléchir. Cette Talia, du coup, pour l'instant, qui est un peu cesse quand même. Je pense qu'elle restera pas très longtemps. J'imagine qu'il va tenter d'aller vite. Aquileus qui joue Recon, du coup. Pour l'instant. Mais qu'est-ce qui va prendre les objets du coup là de cette Talia? Je suis très curieux. Alors il y a l'augmente en 4-1. Probablement une augmente de champion 4 cost. Peut-être 5 cost. Zane, Urgot, hein. C'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on a? Okay, c'est on a un seul 4 cost et il y a Style and Flare. C'est cliquer un stand, ce qui est tout à fait normal, je pense. Ah, à raison, ouais. Très clairement. C'est sûrement sur un Aphelios en fait, en train de me dire les objets de. De oui, ça, alors... ça peut aussi. De toute façon, Urgot et Aphelios qui globalement peuvent porter les mêmes items. Aquileus qui a pris l'augmente carry de Vayne. Très très bien. Spreadshot, c'est extrêmement fort, ouais. Effectivement, Holopi qui est encore en train d'hésiter, qui va prendre. Qui va prendre la Sona, je crois que c'est la support. Ouais, du coup, on va Sona rester... support. Rester sur Toulouse, je pense, pour l'instant, parce que ça m'intéresse de voir comment il va se débrouiller pour aller à son 8. Et essayer de stab. On va prendre un peu les infos sur ce que on a Master Elect qui a fait double top 8 pour l'instant, qui est en feu à 94 HP. 94. Okay, pas mal du tout. Il y a Diamond Skill lui pendant ce temps-là qui est en train de jouer Riven 3, Draven 3, c'est assez intéressant. On voit pas mal d'originalité hein, quand même dans ces lobbies. On voit des choses qu'on n'a pas forcément vues. On a vu une Lux Carry avec l'augment de support pour Aquileus. Tout à l'heure. Oh, la Samira qui clean up. La Samira, est-ce qu'elle peut le faire? Ah ouais. Effectivement, cette augmente qui est vraiment très bon. Hein. Et en réalité, cette Talia est pas incroyable, mais ça lui. En fait, ça permet de baisser un petit peu les barres de points de vie des adversaires. Et ça donne un ace plus facile à proc pour la Samira. Mmh. Donc sur ce timing, c'est pas une mauvaise idée hein, pour porter ces items-là. Genre de petites choses qui peuvent faire une différence entre un top 6 et un top 4. Dans une game un peu serrée. Là, Toulou, du coup, qui est niveau 8, 40 gold, qui va très certainement chercher à roll. Bon, par contre, ce duel de Talia, on sait laquelle va le gagner. Hein, ça, c'est pas un suspense. Ouais. Clairement. Mais encore une fois. Ouais, non, mais il y a beaucoup trop de front pour Paula. Juste la Lux a fini le travail. Talia qui clean up un peu, qui va récupérer, qui permet de garder quelques points de vie. Mais au final, voilà, encore une fois, cette Talia qui a fait quelques kills dans cette partie et qui du coup lui permet d'économiser un peu d'HP, d'aller vite avec des golds et il va pouvoir roll maintenant. Ouais, il lui reste encore 2 ou 3 vies, peut-être même un peu plus. 33, ouais, 3 ou 4. Vu que t'es stage 4, tu prends pas trop de dégâts. Sauf qu'il est, il a quand même un board qui peut un peu clean up donc. Courir sur ce Urgot, c'est tout à fait compréhensible. Bien vu. Urgot qui va du coup remplacer cette Talia. Ouais, armé du coffre, hein, sur Urgot. Oh. Alors qu'on pourrait éventuellement, juste après le stab de Toulou, on va aller voir ailleurs parce qu'il y a des belles choses dans ce lobby. Je suis curieux de voir un petit peu ce que Diamond Skill va faire, moi, quand même, avec cette Riven 3 et ce Draven 3. De voir ce que ça donne comme build. Allez, on y va, on roll down, il y a une Leona. Trouver de la Samira, encore une fois, le champion est très très contesté.
C'est Joel Nick qui tombe, c'est pas trop mal. On va acheter les Aurélien en sol. Sinon c'est un bon choix, il a pas d'anti-heal. Il a la paire de Samira, faut trouver. Faut la trouver niveau 2. Ce sera pas le cas pour l'instant. Mais il est déjà beaucoup plus fort. Ouais, clairement. Sur God là qui va faire des très belles vagues. La première qui va arriver tout de suite. La deuxième qui viendra aussi très vite. Oh. Hop, deuxième vague. Ah, malheureusement, il n'y aura pas de coffre. Corinne, je crois qu'il va recast. Ouais. Ouais, la Gunblade qui va donner un troisième cast. Et attention, parce qu'il reste ce Zac, la Samira, ouais, qui pourrait clean up un petit peu. La Samira qui va prendre, ouais, un kill, donc il va récupérer un peu de mana. Non, malheureusement, il va recast. Master qui joue avec un Bunny Mercenary sur sa MF. MF Ginzo. Mmh. Oh. Ouh, belle paire. Belle paire. Il faut roll. On pourrait poser les deux. Ouais. Ah bah non, bah je... Et bah pas besoin. Et on va mettre une IE, c'est bien vu. L'optimisation là-dessus, ça permet en plus de faire une Bramble derrière sur cette Sejuani 2. Et la Samira 2. Ouais, faut... Alors est-ce qu'il va revendre l'écho? Ouais. Ouais, tu mets les items tank sur Sej, c'est parti. On met tout sur Sej, et là il est tellement fort. Ah là ouais, c'est plus le même board. Clairement. Samira 2, Red 2, avec une belle front. Avec des bons items. Stab. Elle est très bien faite la transition. Et du coup, je te propose de changer un petit peu de POV. Toulouse qui devrait a priori pouvoir comeback tranquillement. Ouais, je pense qu'il va gagner ce round. Et à partir de là, il va en gagner pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir? Diamond Skill. Avec son, allez. Avec son Draven et sa Riven 3. Bah, du coup, Diamond Skill, ouais, qui a fait Draven 3, Riven 3. Qui joue, ouais, un Draven Brawler. Fait preuve d'une belle adaptation. Alors que qui... mes points de chaîne commencent à se rapprocher de la poche des autres participants aux prédictions. Et c'est en train de préparer tranquillement un 4 race pour Diamond Skill. Il y a une MF2 qui est prête. La Samira aussi. La Samira. Il lui manque Mordekaiser. Il va gamble Bordeaux à niveau 8 effectivement, mais comme il est en train de tout gagner, bah, ça peut passer. Ouais ouais, il est pas mal du tout, il a des bons items sur ce Draven, il a une belle Riven. Il peut faire Titan, non? Oh, je pense que Titan était meilleur que Gargoyle ici. Mais du coup il veut vraiment juste une Riven qui tank, et donner du temps à ce Draven. Ouais, comme il a très peu d'unités, c'est vrai que la Gargoyle fait... fait sens quand même. C'est drôle ce petit Aphelios là qui donne juste un CC. Mm. Alors qu'il pourrait être en 4 brawler. Le 4 brawler, je pense, a énormément de value ici. Oui. Clairement. Tu donnes des HP à ton Draven avec le Jax, tu donnes des HP à ta Riven. Non, c'est les HP de base, hein. les HP bonus de brawler comptent pas dans le mecha. D'accord. Bah, tu vois, même moi j'apprends des trucs. Mais c'est pour. C'est que pour la Riven, ouais. Je crois que c'est marqué dans la synergie mecha que c'est les HP de base. Ouais, mais les du coup, ah oui, c'est des HP bonus le brawler. Ouais. Ouais. Draven qui est un peu coincé sur ce écho pour l'instant. Ouh là là, il a un HP, oh, il va tomber. Ah, il a perdu le duel contre cette Talia parce qu'il a pas cast vers le pack adverse. Paula qui était très très bien placé. Ah, c'est dommage parce que cette Riven, on voit qu'elle peut tank la planète, hein, mais malheureusement, ouais, toute seule, c'est plus compliqué. Et elle a même des vilaines tartines, hein, regarde, 5000 points de dégâts quasiment entièrement magiques. Ouais, Riven qui fait des dégâts magiques sur ses autos pendant son cast. Il va aller niveau 8 maintenant, il faut trouver un Mordekaiser. Mord 2 ou Mecha 5. Ouais. T'en trouve rien. Donc là on cherche deux légendaires potentiellement, Leona ou Mord 2. Et paire de Samira. Ça coûte vraiment cher en fait. Hein. Cette Samira et cette MF pour l'instant qui ne font rien et qui coûtent pas mal de gold. C'est un peu dommage, j'ai pas cliqué sur cette Sejuani. Très belle Leona Mecha. Effectivement, avec une Spat Defender. Il peut tanker la planète.
Ah, le Jax est directement allé sur la Samira. Malheureusement, il y a un Exile, donc la Samira a un bouclier quand même assez énorme. Et cette Leona Mecha qui va finir le Draven. Ouais, il va avoir du mal, effectivement. On voit le Draven là comme ça commence à. Bah, sur ce patch, ouais, c'est peut-être pas la meilleure comp et. Play. Tant qu'il le Mordekaiser avec la Samira 2. Ok. Il est très heureux là. Là-dessus. Ça fait plaisir, oui. C'est un très bon rôle. Et du coup, tu vends la vaille, je pense, et. Ah bon? Ouais. Bah non, mais il fallait. Il avait Urgot et Aphelios. Ouais. C'est un peu dommage de ne pas avoir. Un des deux qui rentrait au-delà de la vaille, ouais. Ouais, surtout qu'encore une fois, il y a une stone plate sur cette Riven, donc rajouter une unité à côté, surtout pour une vaille, c'est pas tant value. Et on va attaquer Toulou. Toulou, lui, qui revient, hein. Qui est en gros comeback avec ce Urgot qui fait de l'excellent travail. Maintenant, le 4 race qui met quand même très bien ce Draven qui va avoir beaucoup plus de jus. Alors, est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il peut le faire? Le premier cast qui part sur la Samira derrière, ça proc le Ace. Il reste Urgot. Peut tuer. Il faut le tuer. Urgot, le CC, là c'est Joanny qui va clutch. Et il reste en vie. 2 points de vie pour Diamond Skill, ce round était tellement close. Là c'est Joanny qui, dans son dernier souffle, a réussi à cast et mettre un CC sur ce Draven. L'Urgot a pu mettre ses petites auto-attaques tranquillement. C'est tellement close. Aquilius qui est tranquillement premier du lobby et le reste c'est close. Ouais, Aquilius qu'on ira voir si jamais Diamond Skill vient à tomber sur un round de ce qui arrive. Diamond Skill. On va tenter de gamble un petit peu tous ces rounds avec ce Shroud. Je pense que c'est un bon choix. Il y avait éventuellement un Protector's Vow pour faire casser le Mordekaiser, mais ça reste un Mordekaiser 1, c'est pas encore assez value. Un Shroud c'est vraiment bien ici. Mais cette vaille qui a vraiment aucune value, quoi. Il avait la possibilité d'avoir un Aphelios qui lui donnait un petit peu plus de dégâts. Mazak était meilleur. Cette vaille qui donne absolument rien puisqu'il a même pas. Oh, j'ai vu une sword à 4-3 du côté d'Holofist. Holofist. Ah, peut-être que mes points de chaîne en fait. Aïe. Vont être préservés. Et il va pas la tag, il va tag Aquileus avec son super spot de Recon. Encore une fois, peut-être une compo un peu moins forte, mais du coup qui est beaucoup moins contestée. Donc tout trouver 3, c'est pas trop compliqué. Il a le Ramus, il a la Kaïsa. Ouais, le Ramus a l'air vraiment intuable. La MF qui va mettre un cast avec son 4 race, est-ce qu'elle peut faire quelque chose? Ça a pas l'air d'être le cas. Et il va tomber là-dessus, Diamond Skill. Aïe, dommage. Qui a joué un peu off meta et qui en fait les frais, malheureusement. Ouais, c'est dur, hein. Et puis son board est pas opti, et ça peut-être faire une diff. Alors, qui est-ce qui est l'autre dans le lobby? Il y a Paula, qui a pas beaucoup de points de vie, avec 12 points de vie. Oh, le pilier avec sa soirée K3, qui va rester en vie un certain temps, a priori. Paula qui joue Talia, qui a 6 Talia, ok. Ouais, qui est dans un spot assez classique de Talia, il a quand même une belle Syndra 2. Qui est en train de roll au niveau 8. Il prend tous les 4 costs qui passent, il essaye de trouver cette Talia. Ouais, il veut Talia 3, il en a 6 pour l'instant. Il a Janna 2, Syndra 2, quand même. Ouais, je pense que... Alors que le livre noir pourrait tomber. Alors, on tag le fantôme de Toulou. Qu'on peut le tomber. Il y a un beau Shroud qui est passé sur la droite, les vagues de Urgot qui vont pas toucher grand monde. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour Paula. Qui n'a plus qu'une vie, mais le Urgot qui ne tombe pas encore. Ça peut être dangereux. Ça y est, il est tombé. Et la Samira, pendant ce temps-là, qui est pas du tout inquiétée. Là, la Talia qui casse à l'infini. En haut à gauche, tu vois votre board. Aïe, le Fiddle également. Et ça a l'air d'être la fin. Pour Paula, quoique, est-ce qu'il tombe? Non, je pense pas. Par contre, Darkbook est mort, oui. Darkbook, effectivement, qui va prendre le top 7. 2 points de vie pour Paula. Et il lui manque encore 3 Talia. Faut revenir. Et final, Master Elect qui était en full snowball qui se retrouve à 10 HP ici en position de top 6. Alors il a gardé cette belle V2 pour la Syndra, ça me paraît un petit peu sus quand même. Oui, je pense aussi. Je pense pas qu'elle fasse grand chose, c'est plus 11 gold qu'autre chose.
Oh, il y a un Zed Oxforce double Zeke. Ça peut être très gênant, ça. Alors, qu'est-ce qu'on va voir comme objet ? On cherche sûrement un dernier objet sur la front. Le Echo, comme on le voit, qui a Warmox and Fire, il lui manque un petit objet. Pour tanker tout le monde, il y aura une rédemption qui est pas trop mal. Peut-être un calice. Ah, peut-être, ouais, mais oui, j'aime bien le troisième item Echo ici. Moi aussi, ouais. Alors, Talia qui vient, on est deux off là-dessus, il va falloir roll un peu plus rapidement. Le Zac 2 qui tombe, c'est pas trop mal. Talia, on est one off Talia, peut-être là-dessus. Il faut revendre Belvet, c'est chose faite, c'est bien vu. On va acheter un Zac, un deuxième Zac 2, il faut roll. Allez, ah, il viendra pas. Il fallait tout vendre là, fallait gamble, ouais. La Talia 3, quitte à ne pas avoir d'unit pour Syndra. Alors il est bien placé là quand même, il y a le Urgot qui peut être un peu dangereux, mais... À part ça, il a l'air quand même pas trop mal placé, Polar Bear. Est-ce qu'il peut tomber cette Samira dans la backline? Non, ça la touchera pas. Non mais le Echo est toujours full life. La sphère focus, mais la Talia prend des dégâts. Va se régène un petit peu avec le stun de la le stun de la Sejuani a fait trop le travail. On regarde, toute la backline est stun. Là-dessus, c'est trop compliqué. Et le Echo est mort. Ça m'a l'air d'edge. Samira qui va remettre un cast. Ça suffit pas. C'est vraiment très très close. Il était one off, Talia, pardon. Et Master Elect est tombé en 5. Passé sur Holofist, qui est en full win streak avec sa Soraka 3. Ah, elle est belle, hein. Affronter Xonitron qui vient de trouver Urgot 2 en plus de son setup Z, double ZK, Oxforce et cette belle Samira. Le pic qui est en gadgetin en plus. Il y a des boards intéressants, hein. Les joueurs jouent très flex et. Il y a des constructions assez smart, on va dire. Il le dit de même à Kilevis là dans le chat, dire quel lobby de fou. Alors, on attaque Xonitron qui vient de sortir Pola. Cette fois-ci contre une Soraka 3, ça va peut-être pas être la même histoire, mais sa Sejuani fait un travail de fou à tous les fights. Hein. Soraka 3, qui va mettre son triple cast. C'est vraiment très bien stuffé. Soraka le Z. Pas de régène, hein, donc attention. Bon, ça le va Z aller. qui est venu feed la Soraka en mana. Il y a le roi. Il y a le triple cast qui va partir bientôt, c'est fait. Et c'est quand même close, hein. C'est quand même assez close. Ah, Soraka qui a fait 20 000 dégâts sur le fight. Ouais. Tu vois, on est sur une Annie 2 triple item au stage 6 pour Holopi. Il peut se faire scam assez facilement. Ouais. Après, il attend de retrouver. Il a des items sur son Echo, donc ça va. Il attend de retrouver une Annie pour mettre les items sur son Echo. Probablement. Alors, on va tag Achilleus en win streak. Non, Achilleus qui n'est plus en winstreak, qui vient de se faire casser sa winstreak. Qui aura pas trouvé cette Vayne 3 alors qu'il a l'augmente carry à qui. Ah oui. Ouais, la Soraka qui met des bastos incroyables. On voit même les T3 ils tankent 0 là. Ça fait mal, ouais. Alors je sais pas si c'est une Vayne 2 ou une Vayne 1 qu'il a sur son banc. Je crois que c'est une Vayne 2. Ouais. Il y a 3 Vayne quand même, ça peut arriver vite. Xonitron a gagné contre Toulouse. Alors qu'est-ce qu'on cherche comme objet ? Top 4 qui est très close et on n'a plus qu'un seul joueur en win streak. Je pense qu'on veut le Calice peut-être. Pas spécialement d'item vraiment bon à part ça pour Holopi. Il va prendre la QSS. Pourquoi pas ? Il y a un Last Whisper sur cette Zoé. Il y a un Shroud. Ça c'est bon pour la suite. Toulou qui trouve une deuxième Samira 2 qui aura pas le temps d'aller chercher du coup Samira 3 mais qui a quand même un très bon niveau 9. C'est presque une Piba, il y est pas encore mais bientôt. Alors est-ce que c'est le vrai ou est-ce que c'est le fantôme de Toulou qui va trouver là surtout? C'est le vrai, donc un des deux joueurs va tomber à l'issue de ce fight.
Alors, c'est Raka qui va pas être embêté. Le setup full AD de tout le monde. Les vagues des ergots qui toucheront pas la Soraka, donc a priori ça a l'air d'être bien parti pour le joueur d'AP. Ouais, en le voit, les dégâts qu'elle fait avec le triple cast. C'est vraiment quelque chose, alors attention quand même, il y a encore le Oxforce qui va proc, la Soraka qui est prise à partie, le cast Samira qui va partir, elle se fait one shot avant. C'était très très close, il meurt. Aïe aïe aïe. Et Akinemus a encore perdu contre Zonitron. Ah non, Toulou est mort, hein, non, Toulou est mort. Pardon, je croyais qu'il restait plus que 3 joueurs déjà. Attends, c'est moi ou j'ai vu en Z3? Peut-être que j'ai louché. Peut-être, hein. Xonitron qui était sur un très beau setup. Non, c'est Z2. Non. Tout va bien. Z2. Avec énormément d'HP et un Oxforce. Et Akileus qui trouve sa veine 3, lui. Ça le met vraiment bien. Par contre, ouais, voilà, il faut se placer. Mais alors, c'est impressionnant parce que j'ai l'impression que. Ah, tentative de Jig-Jack, malheureusement, Xonitron n'y a pas plongé. Et ouais, le Z vient sur la Soraka. Le Z quel frère qui vient faire de la mana pour la Soraka. Hop, regardez la Soraka qui perd pas de points de vie. C'est vraiment juste du mana. Oh là là, ouais, c'est impressionnant. Xonitron qui va tomber là-dessus alors qu'il battait tout le monde dans le lobby, sauf Holofist. Ouais, et à qui? Et à qui qui tombe contre la Soraka qui va tomber. Holopi qui fait la bonne opération. On le rappelle, Holofist, il était tout juste quatrième. Et j'ai gagné avec ma prédiction. C'est vrai, bien joué. Le caster buff, vraiment, encore une fois. Il se rassure vraiment, il était très ric-rac. Et là, du coup, il va prendre quelques places. Donc la poule ça le met vraiment bien. Terminé aussi. Voilà. La poule A est finie. Je veux savoir quels sont les résultats. On va aller les voir pour cette game 3. Game 4 ? Game 4, exact. Et du coup, ouais, on va pouvoir directement passer dans le lobby de cette pool A. Comme ça, on va avoir les résultats en plus. Hop. Alors, est-ce qu'on a un screen on a... Oui, on a du coup Krix qui ne met plus les résultats. On aura... Pool A Game 3, on a... Ah bah voilà, Rosolito finalement qui a top 1 quand même. Ah. Et le random a fait top 2. Qui a fait la fameuse game Anima Squad. Et ouais, il avait pas la Raven. Le joueur, enfin le random de ce lobby, du coup, un joueur qui ne fait pas partie du tournoi, qui a fait top 2. Pendant que Metabolet a top 6. Alors il a top 2, je vais aller regarder son élo. C'est Cursed Mana, c'est ça? Ouais. Je vais quand même aller regarder son élo juste pour pouvoir un petit peu rigoler. C'était un Ezreal Kari apparemment, qui est une excellente compo. Lucci a fait 3, Krixteras 4, Rafale 5, Meta 6, Tralala, Lila, Lop 7, Ezio et Altair 8. Alors Cursed Mana qui n'a pas joué une seule Ranked, qui est un joueur de Normal Game. Bah ouais, bah Normal Game Diff, hein, écoute. Ezreal reroll avec le Ezreal Kari et ça gagne. Enfin, ça gagne, ça fait top 2. Quoi. Qui n'a que 2 tops dans son historique. Alors,
Effectivement. Écoute, je crois qu'il y a beaucoup de fans de Rosolito quand même dans le chat. On va aller voir un petit peu. Effectivement, c'est un peu bugué chez moi. C'est bon, ça y est. Il faudra surveiller un petit peu ce que fait Rafale Témoir quand même. Il est top 5, lui, à un point du top 4, à un point de Métabelette. Oula. On va aller voir ce que fait Rafale Témoir tout de suite. on va switch sur Rafale Témoir. Hein. Si tu veux, à mon avis. Il y a déjà la Shujin pour jouer de la paix. Je crois qu'il aime bien Anima Squad. Hein. Alors, je sais pas si la scène est actuelle. Alors, attends. Ouais, je sais pas si c'était moi qui buguais ou si c'était la scène qui avait été mise. Il y a une Lulu 2 qui va pop. Tu fais bien. Effectivement, si personne ne me le dit dans le chat, moi je ne l'aurais pas vu. Et il a revendu sa front de mascotte pour ce build autour de sa Lulu qui est passée niveau 2 très vite. Du Boxani peut-être. Ouh, il y a le blanc. Alors, le blanc qui est vraiment bien. Hein. Je crois que la Vayne va pas forcément jouer, mais. Oh là là, oui. Le trou 12 qui est excellent. Annie 2. Tracivir. Je crois qu'il est pas très très content de ce trou 12. Ouais, il doit revendre la civir. C'est pas génial ce qu'il a eu. C'est pas fameux, en tout. C'est un peu fait scam par ce troutouze. Alors quel choix il va faire là, c'est assez compliqué de décider. Père d'Ezreal qui l'intéresse pas mal. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on slam cette Shojin? Ou pas? Métabelette qui a l'air relativement faible. On va quand même faire cette Shojin sur cette Leblanc. Là, on le rappelle qu'il y a eu un très joli up également sur le dernier patch. Ouais. Il y a plus 5 missiles, mais qu'il y en a 6 au niveau 1. Ce qui est vraiment très fort. Ouais, ouais, vraiment. Et je suis pas sûr qu'elle en avait besoin. Je suis assez d'accord avec ça, avec tous les ups de admin en plus qui sont arrivés derrière. Le pion est vraiment très fort. C'est vrai que c'est assez awkward comme spot, parce que paire de Ezreal, d'un côté il y a Leblanc, d'un autre côté il y a Lulu 2. En même temps il y a une Vayne avec un Sylas 2, en fait il a plein de directions différentes qui sont correctes. Mais il n'y en a aucune qui est vraiment vraiment au-dessus des autres. Ouais. Après une Vayne. Quitte à rentrer quelque chose, j'aurais peut-être plus rentré la Poppy pour de la front. Et Rosolito, qui a cliqué sur l'augmente gadgetine, avec un très beau Malphite triple item. C'est très fort. Ouais. Il n'est pas encore en 5, mais... Le gadgetine 5 qui vient tôt, c'est vraiment très très fort. Donc dès qu'il va l'avoir, il va être bien stable. Sachant que c'est des unités qui coûtent pas très cher, hein, parce que la plus compliquée à trouver, c'est Zoé qui est un 3 cost. Parce qu'avec avec le plus 1, tu as les 5 sans Nunu. Ah, c'est pas mal ce qu'il fait là, du coup, parce qu'effectivement, il va pouvoir rentrer peut-être en Anima Squad avec cette Jinx. Voilà. Non, tu... Non, il rentre pas, il va juste rentrer Gadgetine. Ah, par contre, j'aurais laissé le Sylas 2 quand même. Peut-être que je serais parti sur de l'Anima Squad, okay, ouais, comme ça aussi. Mais ouais. Ah,
Ouais, j'aurais sûrement fait ça aussi, je pense. J'avoue que je suis très 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 fan des Gadgetin. Ouais. Avec peut-être Zoé et Jinx en front pour se créer de la front qui l'a pas encore. Je pense que c'est un très bon play. Parce que là, du coup, en plus, voilà, on le voit, hein. Dès que il a mis le blanc dans le hacker. Et le Sylas suffit pas, donc la front se retourne très vite sur le blanc. Elle a survécu, heureusement, mais c'est vraiment pas passé loin. C'est pas passé loin, mais c'est passé quand même. Et de toute façon, il restait les unités de l'autre côté, au cas où le blanc mourait. Une très belle Annie 2 ici. Ouais, en Gadgetin encore une fois, il y a beaucoup de joueurs de Gadgetin dans le lobby pour l'instant. C'est un excellent start. Hein. En général, si tu peux le faire, tu le fais. Il a trouvé Poupie 2 avec Lulu 2, je pense qu'effectivement là du coup Gadgetin est meilleur. Ce Sylas me paraît quand même tout aussi pertinent. On voit que la Gadgetin, c'est une Warmog, donc s'il veut garder sa streak, je pense que c'était meilleur. Je suis d'accord avec toi là. Surtout avec deux unités upgrade. Il se dit sûrement qu'avec une Shojin Gadgetin, c'est peut-être un peu plus complexe. Bon, Gadgetin, ouais. Après Gadgetin, tu peux jouer à Sol et Talia, hein. C'est vrai. C'est vrai que des Assault Carry, on n'en voit pas beaucoup, mais ça marche aussi. Mais bon, il va préférer se rester sur un spot qu'il connaît, sur lequel il est à l'aise. C'est qu'il y a une Warmog aussi en objet depuis tout à l'heure. De pas poser. Il est tout seul à 100 points de vie. Il faut absolument gagner celui-ci. C'est vrai que la Poppy Lulu à la place de Vayne et Jinx, ça a l'air vraiment fort. Hein. Ouais, mais le problème c'est que je pense que s'il veut jouer Anima, il doit, enfin, il lui considère énormément les stacks et du coup il va pas changer. Bon, ça va, il tag un Ezio qui est pas si fort que ça devrait être faisable, même si c'est un 4 duelliste. Je pense que ça va le faire, il est quand même niveau 5. Après, attention, ce 4 duelliste est très très surprenant. Ouais, c'est vrai. Encore une fois, il a pas vu l'optimisation de mettre les pranksters devant. Ça va peut-être lui coûter cher, mais je crois que la Kayle va mourir du dot de Zoé. Et derrière le GP qui a l'air de faire un très bon travail, le Mais CC il qui reste va le prankster suffire. de Jinx, il restait le prankster. Effectivement, c'était fine du coup. Comment il va décider de jouer là? Faut définitivement qu'il fasse un choix parce que cette Lulu, cette Poppy. Très bonne unité, il va te faire la paire de Vayne, ouais, ça lui donne sa décision. À rappeler que la game d'avant, du coup, c'était Rosolito qui avait top 1, il avait top 1 avec la compo Anima Squad, donc peut-être qu'il est un petit peu biaisé par rapport à ça. Possible. Bah en fait, c'est surtout que si jamais t'as une augmente de champion de 3 cost, que t'as déjà une Shojin, le fait d'être en anima, ça peut t'aider à avoir le spreadshot. Et si tu l'as, t'es vraiment, vraiment broken. L'augmente est trop forte. Ouais. Et vraiment, Shojin est le meilleur item de Vayne. Puisque elle le proc. En gros, c'est à chaque fois qu'elle cast. Elle a besoin que d'une auto après son cast pour reproc la Shojin. Du coup, en gros, une fois que t'as Shojin sur Vayne, tu proc, tu castes toutes les deux autos. C'est big. C'est vraiment fort. Ouais. Donc avec Spreadshot, forcément, c'est quelque chose. Il peut push Poppy 2 là, hein, ça coûte rien. Ouais. Un peu dommage par contre d'avoir mis la Warmog sur elle.
Il voudra sûrement la garder quand il aura Riven pour Defender. Allez, il va. Il a des bons, composants encore. Demi Ionic, demi Spell Crit. Dis que le stream de Rosolito a l'air d'aller mieux. Et il est toujours du coup sur cette fameuse Spat Gadgetin, lui. Ouais, il est toujours en 3, il n'a pas encore les 5. Mais... Ouais. Et il va perdre sa win streak. Ouais, contre Meta. Et cette Lutz qui danse du coup. Oh. Alors, oh, cette Lutz blanc. Moi, ça m'intéresse pour le coup de voir ce que peut avoir Rafale. Est-ce qu'il peut. Oui. Oh, il a pas cliqué spreadshot. Oh, il connaît pas la tech. Aïe 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 aïe. Oh, il aïe, connaît aïe. Pas la tech. Il avait gagné la game. Le coup dur. Oh, il avait top 1 Rafale. Alors, c'était spreadshot Shojin Vayne. Aïe 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 aïe. Terrible. Aïe. C'est dur. Il a pris Everything Goes Boom. Ouais, bah ouais, mais il y avait spreadshot juste à côté, quoi. Dommage. Et Krix Terras qui a cliqué sur le grand Alistar Carry. Rosolito qui a pris aim assist. Ok, pourquoi pas. Ouais. Krix Terras. Ça lui faisait le blanc 2. Alistar Carry, d'accord. Bon. Ouais, sans objet. C'est vraiment parce que ça le fait passer niveau 2 aussi qu'il a pris ça, j'imagine. Ouais. Mais est-ce que ça suffit à justifier? Je suis pas sûr. Il avait sur shot activé. Hein, le item sur Vayne 1, c'est pas fou. Par contre, il a un stuff très très intéressant. Ouais. Je pense j'ai envie de regarder Rosolito un petit peu. J'aime beaucoup ce setup gadgetine, et surtout voir comment il va décider de jouer avec cette Leblanc, parce que si tu joues en 5 gadgetine, elle est pas forcément facile à rentrer. Ouais, je pense que c'est assez particulier. Peut-être qu'il prévoit de jouer qu'en 3 gadgetine avec Annie et Nunu en late. Oui, il vient de top 1 encore une fois avec les sections animales, lui, donc... Quand il voit Vayne Riven dans son shop, On sent ne fait qu'un tour. Mais pas ici. Il va rentrer admin, je suis curieux de savoir encore une fois ce que c'est son admin, j'ai pas du tout vu. C'est des PV max. HP 5, ouais, ok. Il ne le vit que pour les caméras encore une fois, on lui demande et il montre. Le joueur spectacle, hein. Rosolito. Oui, toujours. Toujours. De ce me... Le content. Oh, cette Leblanc. Oh, cette Leblanc. Gagner ce round. Ouais, elle a fait beaucoup de dégâts. Il arrive quand même à gagner des rounds alors qu'il a encore 3 composants quand même qui sont pas activés. Des mauvais composants d'ailleurs. Peut-être que j'aurais fait ZZ Rot moi. Ouais, qu'est-ce qu'on a de beau? Il y a une MF avec une BF. Pour Rafale qui est en Anima. Ça peut être intéressant de l'aller la récupérer. Will Laura. On va faire une gunblade, je crois qu'il a déjà la Shujin. Et il aura pas la cloque là-dessus, Rosolito. On va en prendre une autre du coup. On peut pas se permettre de reprendre un arc. Hein. Non. Qu'est-ce qu'il va faire avec cette cloque? Je crois que c'est une 10 cloque qu'il prévoit de faire. Ouais, ça a l'air d'être ça. Il y a une Sona. Tu vois, dans la vie, il y a des choses qui font mal. Mm-hmm. Bah là, le fait que Rafale ait eu la possibilité de jouer spreadshot avec sa Shojin Vayne et qu'il ne l'ait pas fait, ça va me rester un petit moment. Je comprends. Après, on verra. Peut-être qu'avec cette Augment Support Jinx, qui est probablement la meilleure dans la compo Anima, il peut s'en sortir aussi très bien. On lui souhaite. C'est vrai qu'effectivement la tech est très forte. Alors Krix Terras pendant ce temps-là, qui a swap ses objets d'une Kayle 1 à une Senna 2, je pense que c'est pas la même chose déjà. Il est en win streak grâce à ça.
Et alors, c'est... qu'est-ce que c'est qu'il y a Shred Leblanc? Il y avait un Chogath? Oui. Bah, je crois. Bah, il a le seum là-dessus. De Samuel Ote. Ouais, ça aurait pas suffi, je pense. En tout cas, cette vague est vraiment, vraiment sympa pour l'instant. Le fait qu'il puisse avoir Gadgetzin dans son setup, c'est pas mal. Mais le 5 va pas. Enfin, le 5, de toute façon, je pense que vu son setup, il rentrera pas avant le 8 sans Nunu. Il a enlevé Gadgetzin. Oui. Ça, c'est sad. Après, peut-être qu'il a enlevé Gadgetzin parce qu'il a perdu le round précédent et qu'il préfère avoir un 2 loustrick et un plus 1 gold pour le PVE. Ah non. Non, ça a l'air d'être un misclick. Après, je crois qu'il gagne quand même. Le aim assist qui va tuer la Vayne. Ouais, c'est bon. Ça fait plus 1 gold si jamais il avait... S'il avait décidé de perdre ce deuxième round... Acheter 7 MF. Sûrement pour la deny. Alors qu'est-ce qu'on veut là? On a besoin d'avoir des items AP, j'imagine. De pas donner un petit peu de jus à cette Leblanc, ce sera pas le cas. On aura juste un gant. C'est un demi-spell crit, certes, mais. Il n'y a rien à cela maintenant. Il y a Aurélien Sol à acheter, il le fera pas. Tami 2, c'est pas mal. Père Dany en plus. On pourrait décider de roll hein, pour Poppy Zoé. Là c'est vrai qu'il est en 3, il est en 3 admin, c'est pas forcément idéal. Il va devoir commencer à canceller des runes parce que son déficit d'objets commence à être un petit peu trop dangereux là. Ouais, puis il a un board qui est pas forcément hyper opti actuellement. Ouais, en plus. Ouais, effectivement, oh. les deux sont très bien. Bah là, non, c'est. Enfin, oui, les deux sont ok, mais. Ouais, ouais, je sais pas que ce choix, ça fait Annie 2. En fait, j'aime pas parce que je pense que anyway, le admin 4 était meilleur. Mais c'est pas le choix qu'il a fait. Après, comme il est en Gadgetzin, il a Gadgetzin en plus, donc il va garder Annie. Il va avoir Annie Nunu, ça commence à faire beaucoup d'unités qui sont pas forcément des spell slinger. S'il prend admin 4. Il a pas de tir pour jouer Soraka, l'admin 4 paraît vraiment difficile, Camille et Blitzcrank sont vraiment pas des unités. C'est vrai. Je pense que j'aurais fait le même choix que lui. Puis Annie 2 sur Staming, c'est vrai que ça le met vraiment bien. Il a trouvé une Janna au 7 pour le coup, ça c'est vraiment un peu de réussite. Je suis curieux de savoir sur quel plan il va partir du coup. Est-ce qu'il va essayer d'aller niveau 8, trouver Nunu, trouver de la Talia peut-être. Ouais, ou alors roll cette Leblanc. Je pense qu'aller chercher du late c'est probablement mieux. Mais en même temps, ouais, mais c'est pour ça aussi, tu vois, il avait ses admins qui pouvaient full stack. C'est vrai.
Après, le truc, c'est que ça proc que sur les admins et tu joues aussi un gadgetin et du coup, t'as pas forcément envie de te commit sur deux trucs différents. Non, que je suis fine avec ce qu'il a fait. Rafale, du coup, lui qui est niveau 7 sur un écho triple item qui est très très joli, qui tank vraiment beaucoup. Ouais, ça suffit vraiment, ça le fait vraiment gagner beaucoup de rounds là, ce écho. Il est immuable. Avec un petit second wind en plus pour sublimer ça, c'est pas mal du tout. Il y a un Nunu. Je crois qu'il l'a vu ce Nunu. Il va rester pour l'instant. Il va pouvoir l'avoir. Il y avait pas mal de joueurs de gadgetine pour l'instant. Il court dessus, il va l'avoir. Ce Nunu, alors quel choix il va faire? Il court même un peu autour. Qui va passer en 5? Faudrait une Poppy ou une Zoé, il n'a pas les 5 tout de suite. Il y a pas, il y a une Soraka par contre qui est pas mal du tout. Il va roll pour les 5, en plus d'essayer de trouver une. Dès le blanc. Alors est-ce qu'il va réussir? Qui va roll un peu plus deep? Bon, c'est plutôt un bon joueur. Hein. Trouver ces légendaires-là au 7 comme ça, c'est pas mal. Ouais. Bon, le Karou a un peu aidé, mais. Quand même. C'est vrai que c'est pas trop mal. Cette BT, je pense qu'elle va Cette plutôt sur BT, elle doit Nunu. aller front, ouais. Ouais, lui, ça me paraît bien. Du coup, effectivement, il peut potentiellement jouer en 5 Gadgetin, 4 Spellslinger au 8. Même Là, bon, c'est après, bon. Bagheera qui commence à être un peu suspect. Cette Vi, là, il va falloir commencer à Ouais, songer à la remplacer. c'est ça. Pour du Echo, du Alistar. Sûr, il faut les trouver, mais. Donc là, voilà. Non, non, il a. Il n'a pas cliqué sur Echo. Là, je suis quand même très surpris, je peux l'avouer. Ouf. Je suis très surpris sur le fait qu'il n'ait pas cliqué sur Echo. Pour moi, c'est vraiment une grosse erreur là pour le coup.